C'est un peu long, Nicolas. Eh, hey, oh, hey, 2 minutes, ouais. On n'est pas aux pièces, bordel de merde. De toute façon, pour le comment. Merci. Pour le stream qui va arriver, tu sais, faut pas être pressé. Hein. Donc, Prison Architect, comme je l'ai dit sur le stream auparavant, j'y connais rien du tout. C'est surtout pour finir la soirée sur pas comme des tapettes, en fait, quelque part. Je vous rappelle, il y a 2 films à venir après ça sur le drive-in. Ça va s'évader comme jamais avec le colonel Russian aux commandes. Ouais, à mon avis, ça va chier. Donc, ouais, Prison Architect, j'y connais rien. Donc, on va voir ça tout de suite. Il y a un petit mode campagne que j'ai. Waouh! Attends, merde, on voit Mac les Steam. Voilà, c'est bon. Donc, il y a un mode campagne que j'ai pas fait. Si, apparemment, j'ai fait 1 sur 5. Death Row. Oula! Ok. Donc, on va créer directement une nouvelle prison. Alors, comment ça marche? J'ai aucune. Tu l'avais pas carrément en boîte ce jeu là? J'ai cru te. Non, je l'ai pas en boîte. Je sais même pas si. Ça m'étonnerait qu'il soit sorti en matériel. En matériel, Prison Architect. Je sais pas ce que t'aurais pu croire que j'avais. Peut-être Original War, non? Je sais pas. Mais donc oui. Tiens, est-ce que. Comment on voit les modes? Expérimental, non? Comment on voit les modes? Dans Extra. Mode. Ok, donc j'en ai quand même activé. Attends, je vais baisser un peu le son parce que ça gueule là, non? Voilà, ferme ta gueule. Goulag dire. Alors, je sais pas comment ça a marché, hein. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Si jamais il y a des gens qui sont calés, franchement, je veux bien de l'aide. Alors, select prisoner gender. Je sais pas. Ah oui, c'est parce qu'on a des prisons pour hommes et des prisons pour femmes. Bah oui, mais enfin, tu sais, les goulags, c'est unisexe, hein, mec. On voit pas les genres ni les couleurs hein, dans les goulags. Je pense qu'on va faire des mecs, ouais. Alors, the most balanced individual on planet, he does his job and nothing else. People just call him the warden, ok. Donc ça, il faut choisir le type de gameplay qu'on a, quoi. Le lobbyiste, non, ça me plaît pas. Rita, ok. Ruthless and terrifying, Rita has the reputation for running her facilities through judicial application of fear. C'est pas mal. Oh, il est bon, lui. JW Periwinkle, il est pas mal. Le pacificateur et Sahapara Aknova. Ok, mais ok. Non, j'aime bien lui là. On prend on prend le colonel. On est d'accord, on prend JW Periwinkle, non? La bad bitch. C'est fort encore la musique. Ah. Putain, mais oui, mais ça change que dalle. Attends, 2 secondes. Je vais direct lui faire fermer sa gueule sur Windows parce que. Voilà, c'est mieux là, non? Est-ce que c'est mieux là? Attends, on va baisser encore un tout petit peu. Voilà. Normalement, on est impec là. Alors oui, une create new prison, donc on va prendre je pense. Allez, on prend le mec. Prison, on va faire une medium, tiens, parce qu'on n'est pas des PD. Fog of War. Ouais, des lacs, je... Ouais. Non. Des buildings, non, on s'en fout. On va garder ça comme ça, je pense. Prends large, ok. C'est quoi? Pourquoi je... D'accord, je peux bouger les menus, c'est bien. C'est Big Boss, ton perso. Ça va être la mother base. Et le reste, je veux pas prendre des trucs de cheat ni rien. Donc, bah écoute, on va partir comme ça. On va voir ce que ça donne. Allez, go. Alors, j'ai aucune idée comment jouer. À part le fait que pour l'instant, on va faire pause. Donc, ouais, j'ai installé une nouvelle horloge. Parce qu'apparemment, elle est mieux. Et je sais pas ce que c'est. Comment. C'est des roubles? Bah non, c'est du P. C'est quoi P? C'est quoi comme monnaie P? Des proubles? Ouais, peut-être que seulement c'est des proutes. C'est possible que ce soit des proutes. C'est les tollards ou pas? Non, ça c'est les travailleurs direct. Comment on fait pour... On peut pas les voir... non, on peut pas les voir. Ok. Des pesetas, des pesos, des pénis. À mon avis, c'est des pénis. Donc, comment on fait? Je pense qu'on va déjà... Genre, ça doit être un petit peu comme Rimworld en fait, parce que ça se passe sur le même truc. Va falloir qu'on construise des trucs. Alors, j'ai aussi installé un mode qui rajoute pas mal de... comment on dit? De matériaux différents qu'on peut foutre sur le sol. Je sais pas à quoi ça va servir, mais ouh. Oh putain, je les vois d'ici, les symboles par terre. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, mec? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave, on va rester sur la pierre. Pour l'instant, on va rester sur... Vos gueules. Vos gueules, fermez tous vos gueules. On va rester sur du concrete tiles. Voilà, on va partir là-dessus. Alors...
D'abord, il faut notre entrée, quelque part. Alors, garbage, deliveries, ils vont arriver par où, les tollards, en fait? Je comprends pas. Est-ce qu'il faut le montrer, en fait? Est-ce qu'il faut le foutre sur le sol, déjà? Réception. Indoors, office desk, table chair, ok. Parole, con room, je sais pas s'il faut déjà les foutre. Holding cell, kitchen, garbage. Et tu fais des camps de la mort sans le savoir. Sans le savoir, j'irai pas jusqu'à là, mais ouais. Les fondations, c'est quoi? D'accord, donc ça c'est juste pour construire des pièces en entier. Je pense, allez, on va écoute, il faut bien commencer quelque part. J'étais voir sur Google le symbole du rouble, ça m'a direct mis la conversion rouble-euro, et bah je savais pas que c'était de la merde, mais là quand même. Ouais, d'accord. On va faire une salle d'accueil, puis tu fais les cellules. Alors d'abord, j'ai envie de dire, on va faire... Ouh, tu parles des symboles sur le sol, je veux dire les mêmes que celui dans le salon de B22, Kappa. Je sais pas. Tu sais quoi? Je sais pas. Alors, on va faire déjà un genre d'entrée. À mon avis, ça va être là, genre l'entrée, non? Je sais pas, écoute, on verra bien. Est-ce qu'on peut faire genre un mur déjà, comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait là? Paving stone. Pourquoi, je sais pas. On va faire un genre de couloir. Voilà, qui mène, en fait, dans l'intérieur de la prison, tu sais quoi, avec un gros mur au milieu. Une porte. Comment on fait les portes? Donde estas las puertas? Tu fous en gros le travail rend libre. Oh putain. Je regrette d'avance ce stream. Où est-ce qu'elles sont les portes? Est-ce que vous savez où elles sont les portes? Bombe. Il y a de l'eau, fait un lac trop mignon. Attends, au-delà du mur, je vais faire aussi un grillage. Voilà, comme ça. Comme ça, on sera sûr. Et comme ça, on va tous les parquer ici. Et ce sera bien. Alors, attends. Je sais pas comment on fout des portes. Brick wall. Water. Ah, c'est vrai que je peux faire un petit... Bip. Voilà, je vais faire un petit peu d'eau, là. Dans Objects, tu cherches Jail Door. Jail Door. Ah oui, ils sont là, exact. Bah, attends, on va pas foutre une porte comme ça. Je crois que j'ai une porte en rab que j'ai téléchargée à l'aide d'un bombe. Ah oui. On peut péter, d'accord. Oh, du barboyeur, c'est bon ça. On utilisera plus tard. Il me semble que j'avais une porte spéciale. Non, peut-être qu'elle est débloquée plus tard. J'avais une énorme porte. Remote door, road gate, road barrier, staff door. Je sais pas. T'as une barre de recherche. Ah d'accord. Oui, il va falloir que j'utilise aussi. Eh ben écoute, pour l'instant, on va foutre large jail door. Allez hop. Comment on fait pour tourner? Comment on fait pour tourner les trucs? Je sais pas, attends. Je vais aller voir dans les options. Parce que ça aussi, je le sais pas, donc va falloir... Molette? D'accord, ok. Merci. Non. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Il me faut un temps d'adaptation, je suis désolé. Hein. Large jail door. Non, c'est pas molette, non. Ou alors dessus. Ah oui, il faut appuyer dessus, d'accord, ok. Hop, voilà, ça en plus c'est bien symétrique. Attendez, les bosseurs, on va attendre juste 2 minutes, quand même, on va se détendre, voilà. Et j'ai envie de dire... Ouais, okay, attends. Avant ça, on va quand même finir de faire le reste du bâtiment. Concrete wall, on va faire un genre de gros carré, voilà, qui va servir de salle d'attente. Il y a un tuto, sinon, Russiel, pour expliquer... Ouais, je vais faire un tuto en stream, ça va être bien, ouais, ça va être marrant, ça. Donc, oh putain... Il y a mon compteur qui a fait un clic, ça m'a fait sursauter. Ça va être ghetto comme prison. Non, ça va être impec. Ensuite, j'ai envie de dire, un petit couloir de sécurité, regarde, comme ça. Et ensuite, on va faire la salle principale de la tôle. J'ai envie de dire quelque chose de cosy, mais qui ne rechigne pas sur la sécurité. Ensuite, regarde, on va faire une partie est, comme ça. Qui va être, en fait, foundation, est-ce que je peux pas juste... Genre building concrete, est-ce que je peux pas juste... Ah, voilà, si, c'est mieux comme ça. Require entrance, on verra ça plus tard. Une ici, comme ça. Ensuite, regarde, concrete wall, j'en avais fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, je crois, non? 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mètres. C'est pas assez long, non? Merde, 6, non, 6, 5, je sais plus, on s'en fout au pire, hein. Tu sais quoi? J'aime pas le symétrisme. Et de ce côté-là, on va foutre une autre aile. Merde. Non, arrête, voilà. On va foutre... Regarde. Hop.
et qui ce sera plus genre pour les besoins de tous les jours. J'ai plus d'argent. Il y aura des magazines dans ta salle d'attente. T'inquiète pas, ça va se faire. À mon avis, ça va être bien. Object, on va foutre des larges jail doors ici. Non, une jail door ici. Merde. Non, c'est pas ça du tout. Attends. Merde, je me suis gouré. Ok, donc ça sert pas à une douce qu'on vient de faire juste. Je comprends. Non, mais c'est bon, ça commence à rentrer. T'inquiète, regarde. Object. Jail door ici. Ici, ça va être une large jail door. Pareil pour ici. Avec 60 portes en moyenne par mètre carré, on devrait s'en sortir relativement bien. Voilà. Donc maintenant, on va attendre qu'il commence à bosser. C'est qui lui? Est-ce qu'ils en ont fait tomber un sans faire exprès? Non, c'est bon. Ça va? Putain, la vache, on peut zoomer de super près, c'est super! Comment je fais pour retirer l'objet que j'ai dans la main? Comme ça? Ok. Ça va, les gars? Va falloir qu'il fasse décoller le clopendon près des prisonniers pour payer les murs. T'inquiète, de là les murs, on va en avoir, c'est le reste qui va un petit peu pêcher. parce qu'en fait, là, on a pas de cellules pour l'instant. Donc attends, en parlant de cellules, etc. Dans les rooms, il faut déjà une réception. Ouais, il faut quoi? Office desk, table, chair. Et ben ça, c'est tranquille, regarde, object. On va foutre office desk. Ouais, d'accord. Donc, tout de suite, déjà, au niveau argent, c'est pas top. Mais ça va rentrer. Ça va, on est à moins 1000, mais ça va rentrer. Tu sais, c'est comme tout, hein. Ça demande juste un peu de concentration. Enfin, de concentration, je veux dire, de voilà. Est-ce qu'on peut pas, genre, contracter un genre... Ah non, il faut acheter un genre de comptable, je crois, pour demander des prêts, non? Regarde comment ça travaille bien. Ils sont longs, c'est con, hein. Ils sont lents, hein. Ouais, on a ces problèmes. En 5 minutes, les caisses sont vides. J'ai peut-être vu un peu gros pour la prison de base, mais... moi, c'est sécurité, j'y peux rien, hein. Il va peut-être falloir recommencer, par contre, non? Non, mais regarde, je gagne 840 par jour. C'est large, non? Fais des fondations. Pourquoi faire? Pas besoin de fondations. Oui, recommence. Attends, je vais recommencer. On va repartir sur quelque chose de plus petit, plus agréable, d'accord? Regarde, hop. Voilà, on a rien vu. On recommence. Je suis où? Je suis là. Ah d'accord. Ok. D'abord, avant tout. Voilà. Donc, délivré. Je sais pas où ils sont arrivés. Où ils viennent les mecs. Ils me sont lâchés où là? Je sais pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ces conneries? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ça vous dit quelque chose? Peut-être l'équivalent de leur dessin porno, mais ça me stresse le gris tout autour. Ah oui, c'est vrai, t'aimes pas trop ça, toi. Alors, d'abord, on va recommencer. Tu sais quoi? Fondation, building concrète. On va faire déjà de la construction concrète. Regarde. Requires entrance. Donc, on va commencer par un petit couloir qui va nous mettre bien en jambes. Non, regarde, comme ça. Tu sais quoi? Ouais, 5 mètres, comme ça, on a 3 mètres à l'intérieur, ça peut être pas mal. On va faire ça comme ça. Ensuite, on a un petit couloir qui mène... On va voir ça plus petit, hein, vous inquiétez pas. Qui mène vers une salle, j'ai envie de dire la salle, le lobby, ouais, le Chantal, on va appeler ça le Chantal. Non, Ruru, quoi? Mais si, ça va, là. Ensuite, regarde, ici, comme ça, pas un petit couloir, un plus grand couloir, parce que ça va être là que les mecs vont aller dans leur cellule. Hop, et regarde, pim, une cellule ici. Ils sont lâchés sur ton delivery. Ah bon? Mais je croyais que les delivery, c'était pour tout ce qui était genre deliveries. Attends, on va faire ça, comme ça. Voilà. Ça, c'est bien. Eh ben, c'est pas grave, ils vont être lâchés sur mon delivery, c'est pas grave. On va faire un genre de petit tunnel, comme dans The Shawshank Redemption. Eh oui, non, mais écoute, ça, c'est des références que vous avez pas. C'est pas de ma faute. On va foutre une porte solitaire. Non, on va foutre une porte normale ici, pour l'instant. Ici, ça va être le lobby. Ici, on va commencer à foutre des jail doors, déjà, parce que bah, maintenant qu'ils sont là, ils sont criminels, en fait, hein. Hop, une large... Merde. Attends. Voilà, ça comme ça. Matériel concrete wall. Je peux pas. Non, je peux pas non plus. Ah, merde. Pas construire à l'intérieur, là? Écoute, pas en con. Attends, fondation, peut-être?
Avec des concrètes? Bloqué. Laisse les ouvriers construire. Alors oui, mais s'il faut laisser les mecs construire, ça fait passer beaucoup de danse ou quoi? Ah oui, d'accord, ah oui, ça trace. Ah oui, d'accord. Allez, construisez tout les pégus là. Allez, bougez-vous le tronc. Allez, les pégus. Comment on fait? Il faut pas genre ouvrir la tôle. Un truc comme ça, non? Genre intake. All. Close. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on va accueillir personne. Parce que s'ils arrivent maintenant, les mecs, ils vont faire du camping. T'as aussi un onglet pour faire les plans. Ouais. Ça, on verra plus tard. Pour l'instant, on va les laisser commencer à bosser. Écoute, ça avance plutôt pas mal. On va les faire. Je crois que c'est un ajout du mode aussi, là. La super ultra vitesse. Regarde comment c'est impeccable. Il y a même des petites fleurs qui poussent sur mes murs pour nous expliquer à quel point, en fait, c'est plus ou moins le paradis ici. Ici, c'est le paradis. Là-bas, c'est l'envers. Ah oui, c'est vrai qu'il faut de l'énergie. Eh ben, écoute, on verra ça plus tard. Pour l'instant, vous allez me faire un mur là et un mur là. Il va nous falloir un genre de petit truc pour l'énergie. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, utilities peut-être? Oui, utilities. Power station. Eh ben, une là. Bienvenue à la prison des flots, votre place est à côté du lac et du grange des Bloods. Le petit déj, il est à 8h. Mais regarde, on va faire un genre de petite maison faite de briques. Avec une entrée, bien entendu, qui sera sécurisée, mais après. Une staff d'or, tiens. Hop. Et dedans, on va mettre une power station. On peut même en mettre deux, si jamais on a les couilles. Mais on verra ça plus tard. Ensuite, on va connecter, regarde, avec des câbles electrical bubble, comme ça. Blip. Qu'on va faire passer, en fait, comme ça. Et on va faire comme ça toute une rigole avec du... En fait, on va faire passer tout simplement du PVC, hein, c'est tout con. Il y aura des gardes avec des pipous, absolument, il y aura des gardes avec des pipous. Et on va rajouter... Pour l'instant, on sait pas combien va générer la power station, ça devrait être suffisant, on verra plus tard. Object, light, regarde. And let there be light, let there be moon, let there be stars, and let there be you. C'est une chanson de... qui est très jolie quand elle est bien chantée. Mais des capacitors. Attends, Poléon, j'espère que t'es quand même au courant que ce que je veux faire là, c'est pas la prison parfaite. Donc, je vais pas min-max tout. Les capacitors, on verra quand la power station elle sera construite. Voir s'il y a des trucs à rajouter. Pour l'instant, on y va tranquille. D'accord, Poléon? Tu me suis, Poléon? On y va tranquille. Voilà, regarde. Et ça utilise que dalle. Ou alors, c'est ce qui reste? Non, ça utilise que dalle. Ça, c'est la charge. C'est la charge électrique, ça je connais, hein, je suis dans l'électrique depuis 26 ans maintenant. Pour l'instant, c'est la merde. Mais c'est pas la merde, c'est super. J'aide, super. Mais aide. Mais tu peux aider en fermant ta gueule. Et on va faire des cellules maintenant, parce qu'ici, ça va être les cellules. Et on va faire genre... Pour l'instant, ce petit carré, ça va être des toutes petites cellules. Avec l'espace pour foutre un lit, en fait. Et l'espace pour foutre un lit. Ça va être juste ça. Attends, comment je vais construire ça? Attends, les cellules doivent faire combien déjà? Room. Cell. Au moins 2 par 3. Au moins 2 par 3. Est-ce qu'il compte le mur avec? Est-ce que 2 par 3, c'est la taille avec les murs ou sans les murs? Faut faire des douches. Poléon, calme-toi! Oh là là! Ça va, par contre, ça va. Je dis ça comme ça, je suis quelqu'un de gentil, hein. Mais ça va commencer à me saouler. Les douches, je vais les faire. Pour l'instant, voilà. Concrete-toi. Donc, du coup, c'est sans les murs. Ça va être comme ça, en fait. Donc, il va falloir faire ça. Bim, bim. Ensuite, bim, bim. Ça va être une toute petite aile. Regarde, tac, tac. Tac, tac. Et voilà. Et écoute, et ben voilà. Impeccable. Maintenant, je fous des gels d'or. Ici, ça va être un petit peu le quartier des célébrités, là où ils ont foutu Con Bendit. Ah merde. non, pas Undo. Comment on fait? Ah, comme ça, voilà. Impeccable. Et impeccable. Donc ça, c'est bon. Ici, ça va être la salle communale. Et j'ai envie de dire, il va peut-être falloir que j'agrandisse ça dès maintenant, parce que ils vont vraiment pas avoir de place, les mecs. Je vais avoir 6 prisonniers, et ça va me coûter très très cher. Est-ce que tu penses que je peux genre foutre un genre de couloir qui mènerait vers une autre partie? Là, ça pourrait être les holding cells. Et non, c'est ça. Et oui,
En fait, j'ai pensé à tout. Ça va être les holding cells. C'est pour ça que c'est tout petit. Ensuite, il y aura un couloir qui va mener plus loin, où les gens seront en fait amenés à faire plus de chemin, avec plus de place. Regarde, on va faire, ça va marcher avec un couloir central qui va être un peu plus large d'ailleurs. Regarde, on va faire un couloir central qui est comme ça. Blip. Blockhead. Eh ben ouais, ta grosse mère la pute. Peut-être on peut partir là-dessus aussi. Hop, avec ici en fait, ça va être différentes cellules déjà. Rien que là, ça va être différentes cellules. Ça va être l'espèce de corridor principal. T'inquiète, ça va être super stylé. Regarde, mec. Chut. Franchement, ça va déboîter. Franchement, ça va déboîter. Ensuite, il va juste falloir qu'on fasse. On va partir sur genre, eh ben écoute, 4 mètres. Si je calcule, ça fait 5. Non, ça va faire 4. Non, ça va faire 5. Attends, on verra plus tard. Il a été architecte, faut le savoir. Ah oui, ça, bah oui. Évidemment que j'ai été architecte. Et on se lance pas dans des... on se lance pas dans des aventures comme ça sans avoir été architecte auparavant, mec. Hein, on est pas fou. Et là, c'est pareil, en fait, on va faire un truc de 6 mètres parce que c'est 4 plus 2. Enfin, 3 plus 4. Merde, je me suis gouré dans les tailles. C'est pas grave. C'est pas grave, ce qui compte, c'est qu'on a au moins notre bloc ici. On a notre bloc et on va foutre, regarde, une large jail door au milieu. Et tac, j'ai envie de dire, là le bloc il est bon. On va juste vite fait faire l'electrical cable qui va mener en fait comme ça, ensuite comme ça, j'ai plus beaucoup de thunes, ensuite comme ça, ensuite comme ça, ensuite comme ça, ensuite comme ça. Voilà, ça devrait suffire. C'est pas connecté. Là c'est connecté. Ok. Ensuite, les douches. Les douches, elles vont se trouver. Par là, il va falloir pas repasser dans le hall, c'est complètement con. Qu'est-ce que vous faites, vous? C'est pas vraiment sécuritaire, vous passez les murs, les gars. Tu sais quoi, regarde, la bouffe et les douches, ça va être plus ou moins dans le même camp, parce que là, c'est vrai que ça commence à être un petit peu serré au niveau des thunes, hein, mais bon. Eh, hey, qui ne mange pas de... Enfin, qui voit pas loin, voit dans le ravin, en fait. Est-ce que... C'est quoi, est-ce que c'est un couloir de merde? J'ai l'impression que c'est un couloir de merde que j'ai fait là-dedans. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas de place pour passer. Ou alors est-ce que je suis fou? Non, je sais pas si... Merde. J'ai annulé un mur. Attends, écoute, ça demande... Concentration, voilà, comme ça. Là, c'est bon. Comme ça, et comme ça. Voilà. Et maintenant, on les laisse construire. Et on avise. Là, c'est bon, ouais, d'accord, c'est bon. Ouais, mon couloir est pété, c'est bien ce que je me disais. C'est une prison ou un internat? Eh, quelle est la différence, Color of Mims? Est-ce qu'on n'est pas sur un rapport qui est finalement très ténu? C'est quoi la différence entre prison et un internat? C'est les cellules. Oh, putain. C'est quoi, je me ferais chialer. Et puis là, bon, on va refaire quelques cellules. C'est du 3 sur 2, on a dit. Donc on va faire blip blip. Blip blip. Bip 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 bip. Regarde. Eh, mec, pile en plus! Putain, mais qu'on me dise pas que je suis un master architecte, quoi. Enfin, oui, on va pas me le dire, mais... Et voilà, déjà, ça fait une petite... Ça fait quelques cellules en plus, tu vois. C'est pas la merde pour le transit. Mais non, mais ils viendront jamais, en fait, ici. Ce sera uniquement pour les fous dans leurs cellules. La suite, on verra, hein. Ils ont dégueulassé le béton, quelle bande de bâtards. C'est vrai qu'il a vomi, là. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, il va nous falloir quand même une petite salle pour les douches et une petite salle pour la bouffe. Alors les douches, ça va se faire ici, ça va me coûter 1600 balles, ça a commencé à faire beaucoup. Et la bouffe, ça va se trouver là. Attends, ça c'est de la merde. C'est de la merde parce qu'en fait, il faut que je la fasse ici, regarde. Oh, ça va être bien ça. Alors, quelque part, tu sais quoi, je m'aime. On va faire ça ici, 1900 balles. Et pareil ici, 1900 balles. Voilà. On va les laisser construire. Juste avant ça, on va quand même foutre le câblage. Tac. Tac. Et tac. Et re-tac derrière. Avec des lumières. Elles sont où les lumières? Dans Object aussi? Yes. Blip. Blap. Voilà, ça suffit. Voilà. Et ils se sont enfermés. Ça va les mecs? Est-ce qu'il y aurait pas quelque part... si tu veux, il y a peut-être une façon de faire qui est plus tu vois? Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes comme des cons, quoi. Ça fait du bien d'être entouré de mecs qui savent quand même de quoi ils parlent, quoi.
C'est bon? Voilà, c'est bien, les gars. C'est... Oh la vache. Oh putain. Ce qui est bien, c'est d'être entouré de génies, c'est ça qui compte. Tu leur... Ils ont créé leur propre prison. Ouais, peut-être qu'en fait, eux, ils sont tollards aussi, tu vois. Bon, gars, après, on va faire l'ouverture. Ah, peut-être qu'il... Ah oui, il va falloir faire les salles aussi, je suis con. Parce que là, il nous manque en fait toutes les cellules. Là, on peut pas faire de cellules pour l'instant, parce qu'on n'a pas les lits, on n'a pas les salles, on n'a pas... etc, etc. Donc, ça va venir plus tard. Ça va venir de rire. En plus, on gagne de la thune. Enfin, on gagne 35 pénis, quoi. C'est pas énorme, hein. Enfin, si, ça fait beaucoup, 35 pénis en une soirée, mais je veux dire, voilà. Bon, il va falloir déjà, regarde, qu'on fasse une selle. Et c'est quoi, il faut... Ouh, merci beaucoup, Hoffman. Alors, le Bob le bricoleur, ça s'encule entre quatre murs. Donc, il faut... Un lit et des chiottes. Bon, ça devrait pas nous coûter très cher de faire juste un lit et des chiottes, regarde. Bed, 200 balles, quand même. Et des chiottes, 100 balles, qu'on va foutre ici. Bip, 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 bip. Et voilà, déjà là, on peut accueillir des mecs. Pas tout à fait. On est vraiment chaud niveau thune. On peut être vraiment chaud niveau thune. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Quoi? Mon stream a explosé pendant 2 secondes. Ah, il y a des... Bah, j'ai pas de drop, moi, donc... J'ai pas eu de drop. Si jamais ça a foiré quelque part, je suis désolé. Ah, merde, oui, j'ai oublié toute la... Ah, le con. Qu'est-ce qu'ils font, ces débiles? Qu'est-ce que vous foutez? Bah, qu'est-ce que vous foutez, bande de trous du cul? Mais si vous voyez pas... Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ont même pas fait... Ah merde, j'ai oublié les entrées, bah oui. Ah oui, merde, non mais ça... En fait, c'est un carré trop loin. C'est pas grave, attends. Il va falloir des portes. Ouais, j'ai plus que 200 balles, je vais pouvoir faire une porte. C'est pas grave, regarde, hop, on va faire une comme ça. Bop! Et c'est pas suffisant parce que j'ai doublé les murs. Oh, le con. Attends, comment on fait pour détruire? C'est assez con, on est bien parti. Comment on fait pour détruire? Bulldozer. Voilà, regarde. Tac. Regarde, regarde. Tac. Va falloir faire une autre, en fait. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous allez où, là? Ah, d'accord, vous pouviez pas construire parce qu'en fait, vous aviez fermé. Pas de tenir 2 semaines ta prison. Mais si. Mais large, mec. Je crois que tu te rends pas compte. Qu'est-ce qu'ils foutent? Vous voyez pas qu'il manque des trucs, peut-être? Attends. Une porte en rab. Merde. On va foutre des portes normales pour là. Ouais, c'est 50 balles, ça va être bien. De toute façon, c'est la porte pour aller à la douche. Ils ont pas besoin de plus. Hein. Et hop, voilà. Double porte. Et là, c'est pareil. Bim. Il me reste 10 balles. C'est même pas encore ouvert. Mais t'inquiète, ça va passer. Voilà, construisez-moi tout ça là-dedans. Mozi. Est-ce que... Pourquoi ça, là? Pourquoi là? Pourquoi c'est comme ça, là? La prison qui coule avant même d'ouvrir. Bah, le problème, c'est que oui, ça va couler beaucoup parce que les chiottes, elles sont pas actives. Et j'ai oublié d'acheter ce qu'il faut pour les chiottes. Putain, mais je comprends pas. Pourquoi je galère autant? J'ai que 10 cellules. Ça, c'est Poléon. Il m'a dit, ah, fais des fondations, fais des fondations. Mais les fondations, ça coûte cher du cul. Hein. Putain, c'est pas grave. On va faire avancer. Pour l'instant, on va les regarder faire. Là, vous avez rien à faire, en fait. Ah, j'ai eu 35 balles en rab. On est loin le Fleury-Mérogis. Ouais, bon, on est très loin le Fleury-Mérogis, mais c'est pas grave au pire. Voilà, 85. T'as voulu voir trop grand. Mais j'ai 5 cellules! D'où c'est trop grand, 5 cellules? Ça coûte combien de faire des larges pipes? Ah, ça coûte 5000 quand même, la Water Pump Station! Ah ouais, quand même! Ça va être pas être tout de suite non plus! Eh, mais c'est, en fait, c'est beau. Donc 5 cellules, c'est beaucoup trop grand. Bon, d'accord. Donc 5 cellules, c'est trop. C'est quoi ça? Oui, ouais, bah ça y est, c'est élu. Delete. Accept your first grant. Je veux bien. Ok. Report window. Et dans les grants. Ah oui, il faut. D'accord. Oh là là, ça va pas être tout de suite. Avec 5 cellules, tu loges 50 mecs IRL, donc c'est voire trop grand. Oui, mais là ça marche pas, c'est des connards aussi. Donc ouais, mais pour les grandes, ça va pas se faire tout de suite non plus, je te dis. Hein. Ça. Ah, ça me file de la thune. Peut-être qu'il fallait que je le fasse dès le début. C'est bon les gars, on va pouvoir bosser quand même.
Water Pump Station, on va en foutre une, et bah va falloir que ce soit ailleurs, hein. Pourquoi? Ça veut dire que ça marche ou ça marche pas, ça je comprends pas. Ok. Foundation, on avait pas fini ça, regarde. Concrète, ici, comme ça. Voilà, mais en transe, y'a, yeah, c'est bon, c'est bon. Ça pique déjà dans les caisses. Mais non, mais il me demande de faire des trucs, alors je fais des trucs, ces connards là. Là c'est pareil, vous allez me faire la Water Pump Station, vous allez me foutre ici, s'il vous plaît. Ça devrait passer normalement. Si j'ai bien calculé, regarde, bim, pile. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir bosser tranquille. Et on va foutre une staff d'or ici. Tac, on est à 18 000. C'est bon, on est large, on est large, on est large, on est large. On est tranquille, on est tranquille, on est tranquille. Vous inquiétez pas. Ça va être, ça va être, ça va être... Tu sais quoi, ça va être trop facile. Bon, apparemment, il y a un gros problème d'attardé mental ici. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à passer. Si je rajoute un bout de mur, là, là. Ah non, mais vous aimez... Il y a vraiment un problème, en fait. Donc, vous êtes vraiment tous des gros débiles. Qu'est-ce que c'est, ces cons, là? Qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi je peux pas mettre de trucs, là? Ok, et maintenant? Et maintenant, c'est bon? Vous allez arrêter l'autisme ou... Ouais? Object, et vas-y, filme une petite porte, voilà. Comme ça, c'est bon? Je vois, t'as mis une double porte, du coup, ils sont cons. Ah, d'accord, ouais. Pourquoi ça merde? Qu'est-ce qui se passe, ici, là? Est-ce que j'ai viré un câble? Oui, j'ai viré un câble. Tac, ici, et du coup, un câble qui mène directement là. Voilà. Ensuite, les pipes. On va foutre un large pipe, en fait, qui descend ici. Et pour éviter de se faire niquer, j'ai envie de dire, par des tollards peu scrupuleux, même si forcément l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. Tac, normalement, on est tranquille, voilà. On va faire des small pipes qui descendent jusqu'aux chiottes. Comme ça, ils vont pouvoir chier tranquille. En tout cas, ils ont de la chance que je leur ai pas mis des seaux parce que je suis quelqu'un de très sympa. Alors, pour l'instant, on va faire directement la douche. Et ensuite, on verra la suite. Enfin, peut-être que je leur foute aussi de la lumière, là. Pouette. Mais j'en ai pas déjà mis, la lumière. Ah, c'est parce qu'ils ont pas refoutu les câbles. Là, il va piquer les marteaux pour les matériaux pour les bouffer. Alors, il faut pas qu'Hoffman y bosse ici parce que... C'est bon ? Utilities ? Non, c'est pas bon encore. Mais pourquoi ? Et si vous pouvez reconstruire mes câbles, s'il vous plaît ? Ça va être relativement pressé, quand même. Franchement, là, elle est confort, la prison. Non, mais mec ! Moi, je fais un truc... Pour l'instant, c'est tranquille. Pour l'instant, moi, je veux juste qu'on ait 2-3 mecs dans la tôle. Alors, par contre, on entend juste les cris d'agonie des âmes en peine dans les enfers. Ça doit être normal dans les tôles. C'est bon ? Est-ce que tout est là ? Ouais, tout est là, d'accord. Alors, il va falloir des drains. Je crois qu'il faut des drains. C'est où les drains? Drains. window. Drain. Voilà. On va faire genre, regarde. Pouette. Pouette. Avec un drain à la sortie pour être sûr de ne pas être niqué. Et des shower head, regarde. Blip. 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 Pour l'instant, on va en foutre que 6. Parce que déjà, tiens, on va en foutre là, ici, regarde. Bip, bip, voilà. Déjà, là, ça risque de jouer touchette. Relativement bien, tu vois ce que je veux dire. Utilities, on va refoutre des small pipes. Non, y a pas besoin pour l'instant. Ah, il va falloir qu'ils me disent. Donc ça, c'est bon. Ah oh, putain, et après, il faut... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il faut peut-être des capaciteurs maintenant. Là, il faut des capaciteurs. Utilities, c'est où les capaciteurs? C'est ça. Blip, blip. Va falloir me les construire vite par contre. Ah oui, alors fallait peut-être que je fasse un peu plus de place autour du truc. Voilà. Non, toujours pas. Qu'est-ce qui lui arrive à cette conne? Switch on. Et bah voilà. Quoi? Ta gueule. Ça m'intéresse pas ce que tu fais. Voilà. Et bah c'est bon, on est large. Pourquoi elle a coupé? En fait, on est vachement large. Ah, peut-être que c'était pas... Attends. J'en fous un dernier, comme ça on est sûr que ça passe. Parce que voilà. Donc ça c'est bon, maintenant il faut que je foute, que je connecte ça en fait, de manière rondatoire, regarde, comme ça, merde, non pas comme ça du tout en fait, pas comme ça du tout en fait, regarde, hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça fait un genre de circuit fermé, c'est toujours bien pour la bouffe, pour l'eau, Popo l'avait dit, ouais mais il l'avait dit quand je n'avais pas encore besoin, donc pfff. Donc maintenant, donc ça c'est fait, les cellules c'est fait, le truc d'entrée, on n'a pas encore de salle à l'entrée. C'est quoi quand c'est ouvert en orange, ça veut dire que j'en ai besoin, c'est ça? Holding cell, ah oui, c'est quoi l'holding cell, on va la faire là.
5 par 5, enclosed, indoor, toilet, bench. Ok. Et bah 5 par 5, ça va se faire tranquillou, regarde. Matériel. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire comme ça. Et comme ça, la holding cell. Ça va être impeccable. Avec une large selle d'or. Tac. Il faut des chiottes et un banc. Comme chez moi, en fait. C'est plus ou moins chez moi. Il est où le banc ? Bench, ici. Tac. Et on a notre holding cell. Bim. Pekeb ! Maintenant, cantine, ça va pas être tout de suite. La réception, ce sera pour plus tard. Si, la cantine, on va faire la cantine maintenant. Et les douches aussi. Il faut quoi, les douches ? Shower head, d'accord, ok. Donc on aurait même pu limite le faire dehors, tranquille, quoi. Chiotte, posée, comme ça. C'est super cool. C'est quand que les prisonniers s'entretuent pour le dentifrice ? Eh oh, calme, ça viendra après, les réjouissances, hein, d'accord ? Maintenant, non, c'est bon ? Et on a des mini coupures de courant ou quoi ? Indoor, serving table, table bench. Ok. Donc, tac. Maintenant, serving table. C'est où, ça ? Serving table. Ici. Voilà. Table. On va faire ça comme ça et une comme ça. Et des benches. Comme ça, 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 comme ça. Super. Super, c'est super cool. Et douche dehors. Franchement, j'aurais dû faire en fait un gros camping. Ça aurait été beaucoup mieux. Voilà, allez, construisez-moi tout ça. Ça va être bon. Il me reste 14 000 balles. Ah, il faut une cuisine aussi. Et deux gardes et deux cuisiniers. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas de garde. Ah, et puis il y a ça aussi qu'il faut que je branche. Ça va se brancher à partir de là. Tu vois, je vais tirer un tuyau jusqu'ici. Impeccable. Je vois pas de cyclone dans les douches. Moins une étoile sur TripAdvisor. Alors, deux gardes. Staff, garde. Et du coup, il faut une garde room, non ? Oh là là, mais il faut plein de trucs pour une prison aussi. C'est chiant à faire une prison, en fait. Ici, building concrete. Avant ça, je vais quand même faire une cuisine. Alors, ça sera la salle. Ce sera les différentes salles, en fait, pour tout le staff. On va faire ça comme ça. Yard fait un truc minuscule. Ouais, non, mais le yard, ça va être ridicule, mec, hein, parce qu'ils ont pas le droit de s'amuser chez nous. Faut pas déconner, en plus. Tac, on va foutre une porte, une staff d'or là, une staff d'or là. Voilà, ça sera impeccable. Et maintenant, donc ça, c'est la cantine. Et il va falloir une cuisine. La cocina, comme on dit dans les pays moins... Voilà, concrete wall. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est super cool. Maintenant, le sol. Oui, il faut des concrete tile. Voilà, c'est ça. PK, donc ça va être la cuisine. Kitchen. Voilà, regarde. Voilà, regarde. Hop, impeccable. Voilà. Quoi ? Pourquoi ? Indoors, cooker. Ouais, bah ça va venir. Bah, laisse-les construire, ça va venir. Laisse-les construire et ils viendront. C'est bon ? Voilà. Il manque un petit mur. Voilà. Et voilà, comme ça. Et voilà, hop. C'est la cuisine. Et hop. Mais pourquoi il veut pas ? Pourquoi il... Pas assez de budget, mais j'ai 11 000 ! Il se fout de ma gueule ou quoi ? Putain, pourquoi ça... Y'a un problème ? Est-ce qu'il y a un petit raton laveur qui mange les petits... qui mange les câbles ou quoi ? Loser, mais pourquoi, loser ? Mais pourquoi j'ai pas le droit au bonheur ? Pourquoi, dans quel... Parce que j'ai pas de toit, peut-être. Non, c'est pas parce que, genre, j'ai pas de toit. Je suis sûr que c'est à cause de ça. Si j'avais un toit, il ferait moins les malins. Hein. Comment on fait les toits ? Où il fallait faire des fondations ? Ah, s'il fallait faire des fondations, on va avoir un problème, les poteaux. Non, il n'y a pas de toit. Mais comment on fait les toits ? Et toi, mon toit. Les papillons, ça vole. Room, non ? Fondation. Putain, faut que je refasse des fondations ! Outdoor only ? Requires entrance ? Comme ça ? Si je fais comme ça ? Est-ce que c'est bon ? Ah, il n'y a pas toi dans le jeu, d'accord. Il n'y a vraiment pas de toi dans le jeu du tout, quoi. Et c'est bien, ils vont faire les fondations après. Va falloir tout recasser. On me dit de faire des fondations, je fais les fondations. On me dit de pas faire des fondations, je fais pas les fondations. Et ça, la porte au plafond ? Ah, ça, je sais pas. Faut demander à numéro 10, l'architecte. Allez, continue. Voilà, regarde. Oh putain, ça a tout pété. C'est pas grave. Ils peuvent pas s'envoler non plus. Mais en plus, c'est super sympa, une cuisine à ciel ouvert. Je sais pas, il y a un petit côté... Tu vois ?
Donc du coup, ça, ça va être la kitchen. Regarde, voilà. Et hop, facile. Cooker, fridge, sink. Donc il faut un cooker minimum, un fridge minimum et un sink minimum. Hop, ça fait déjà une belle cuisine qu'on aura pris soin d'agrandir quand le temps viendra. Maintenant, les utilities, il va falloir juste que je connecte la câble ici à la cuisine parce que j'imagine que le cooker, etc., ça va pas tourner au kérosène. Pas besoin de hot, nickel. Tu vois ? C'est pour ça que tout le monde met ses chaussures barbecue au bout d'un moment parce que... Ok, donc c'est bien, ça va falloir que je connecte tout. Pourquoi elle est aussi grande la cuisine ? Pour après, comme ça, si on fait un agrandissement ici, on... C'est quoi le yard ? Ça va être ça, mec. Non, ça va être genre ça, le yard. T'inquiète pas, la cuisine, c'est pour plus tard. Comme ça, on n'est pas, si tu veux, on n'est pas surpris par le par les candidatons. Tu sais, c'est ça qui est important, Pounz. Hein, Pounz. Des fois, tu te dis, tiens, mais en fait, non. Et hop, on va faire courir un tuyau jusque là. Voilà, regarde, eh, ça se fait ou ça se fait pas, merde. Donc, deux gardes, ça va se faire bien. Il va juste falloir les amener, en fait, les gardes. Il n'y a pas une guard room. Pro, reception, exports, garbage, deliveries, storage, holding cell. Pour l'instant, on n'a pas de guard room. Donc, les gardes, ils vont littéralement se branler. Tac. Salut, gros. Bap, bap. Il va falloir leur faire des chemins de ronde aussi, je crois, non ? Et deux cooks, vous allez bosser dans la cookerie. Et ben voilà ! Et maintenant, un yard. Oui, ruru. Ah, le yard, ça va se faire là-dessus. Regarde, regarde. Mec, en vérité, le yard, il va être comfy de ouf. On va foutre un gros truc en barbelé. jail fence. J'ai vu jail fence. Voilà. Ici, regarde. Barbelouse. Et ensuite, room, on va prendre le yard, c'est quoi, 5 sur 5, et secure. Et bah ça va être secure de ouf mon gars, mais on va tellement secure de malade. Avec une porte qu'on va faire passer dans le petit couloir ici. Non, on va passer directement par là, regarde. Ici, ça va être bien mieux. Voilà. Eh, Pekob. Eh, tu sais quoi? Le yard, il est même trop grand. J'ai envie de dire, le yard, il est trop grand, il mérite pas. Comment on fait? Planning. Walls, pathways, non, c'est pas ça. Staff. Non, comment on fait? Reports, staff, guards. Non, j'ai pas envie de les virer pour l'instant, ça sera plus tard. Comme ça, ils passent, ils se noient. Oh ouais, j'aurais dû faire une salle de noyade exprès. Planning, comment? Pathways, c'est ça? Pathways. Ça fait quoi, pathways? Je sais pas ce que ça fait, Pathways. Non, je sais pas. Quick build? Non. Bon, et du coup, à la sortie, comme le dit Poléon, faut un, bien sûr des bandes muscu. Ça on n'y coupera pas. Je vous ai aimé, dans ma prison, il y a au moins deux bandes muscu par personne. Voilà, là on est... Là, c'est la bonne prison LMF, mon gars. Donc voilà, ça c'est bon. Ici, on a oublié de faire des cellules. C'est pas grave, on est pété de thunes, mon mec. Ce jeu est trop facile. Tac, 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 tac. Regarde, en plus, on va foutre les toilettes juste devant la sortie. Comme ça, tout le monde les verra chier, mais pas eux. Comme ça, si jamais il y a des mecs, ils aiment bien reluquer des gens qui chient, ça leur fera plaisir. Ça c'est bon, on va faire des selles ici aussi. Bim, bim, bim. J'ai du sang dans mes selles. C'est quand un prisonnier tabasse un autre, c'est qu'il a du sang dans les selles. Voilà, ça c'est bon. Kitchen, shower, ça c'est cool. Y a pas des janitors? Oui, alors oui, c'est dégueulasse par terre. Par contre, il va peut-être falloir que je prenne un mec qui nettoie un peu. On n'a pas? On n'a pas. Require cleaning. Comment on fait? Comment on fait pour faire des gens de... C'est quoi? Build a staff room. Ok. Security chief. Un cimetière, c'est pas mal ça aussi. On verra ça après, le cimetière, hein. Medical ward. Avant ça, on va faire la sécurité. Voilà, ça c'est la bonne sécurité, ça, mon gars. Peut-être qu'on va peut-être accueillir des mecs dans pas longtemps, non? Ou alors on fait la sécurité avant. Pourquoi t'as des panneaux warning sur les selles? Parce que les lits et les chiottes sont pas encore placés. Donc du coup, ça dit warning, attention, elle est pas encore complète, quoi, tu vois.
Donc Security Chief, il va lui falloir une office. Donc un office pour la Security Chief. Office. 4 sur 4, office desk, office chair, filing cabinet, indoor. Ok. 4 sur 4, c'est quoi, c'est ça? Eh ben écoute, c'est pas du tout parfait, ça pue la merde. 4 sur 4, voilà. Office, ça c'est bon. Oh, ça va se faire un petit peu à l'arrache, hein. Comme vous l'avez compris, elle s'arrête où mon office là? Hop, hop, mon office de pute. Hop, staff door, ici. Je vote à l'entrée. Le cimetière, faudra le foutre soit devant l'entrée, soit à côté du yard pour leur rappeler qui c'est le patron. Juste en face, là, juste là, là. Et comme ça, ils verront, tu sais, quand les mecs, ils se feront shank, pendant qu'ils seront en sortie, ils verront les gars se faire enterrer. Oh, ce serait génial. Oh, j'adore l'idée. J'achète, gamin. Par contre, ici, on n'a toujours pas d'electrical wire. Il va falloir qu'on fasse un petit... Voilà, on va fourrer ça dans la selle. Les chiottes, ici, là, elles sont pas reliées. Donc, on va faire pareil que tout à l'heure. On va faire courir ça, ici. Et on va faire courir ça, ici, pour en pas s'échapper. Parce que je crois que dans les petits tuyaux, ils peuvent pas s'échapper, il me semble. Tu sais ce qui manque? Une putain de salle de torture moyenâgeuse hyper vénère avec des instruments de torture oubliés comme dans Berserk avec Mosgus. Ouais, carrément. Avec le gars avec son gros bide là. Oh putain, carrément. Tu creuses une autre tombe et la pierre, tu mets your next. Comment on fait un cimetière? Chapel, armory. Oh, le chenil! Oh putain, il va falloir qu'on chope super vite le chenil par contre. Comment on fait un cimetière? C'est pas une room à faire? Cemetery. You require health. Ah oui, d'accord, il va falloir d'abord qu'on fasse des recherches sur la santé. Donc ça viendra plus tard. Ouais, il est grisé le cimetière, d'accord. Ouais, j'avais pas vu, merci pute. Donc ça c'est bon. Eh, j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal, on va pouvoir accueillir des mecs, non? Holding cell, elle est bonne, il y a des bûches, si jamais ils ont faim. et une office, il faut quoi? Desk, chair, cabinet. Ok, alors desk. Desk, office desk. On va la foutre genre comme ça les mecs quand ils rentreront, ils feront waouh putain ce mec il est vraiment la classe. Chair. Do you believe? Y a pas une office chair? Il faut pas juste une chair? Si, ça il faut une office chair. Je pense qu'une chair tout court ça marche pas. Ouais, si peut-être? Je sais pas, je m'en rends pas compte. Y'a pas une office chair? Filing cabinet. Si vous avez vu l'office chair et que moi je la vois pas, vous me dites, hein. Office chair, d'accord, elle était minuscule. Voilà, P-Keb. Barre de recherche en bas. Oui, excusez-moi, il faudrait que j'apprenne à utiliser ça plus souvent parce que je pense que ça accélérait pas mal de trucs. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est Security Chief. Il est où, Security Chief? Comment on fait pour choper un Security Chief? C'est lui? You require security. Faut faire des recherches pour avoir security ou genre non? Ou genre il faut faire... Comment... Il y avait pas un genre d'arbre de compétences où je suis fou là, non? Ouais, faut bien faire des recherches. Et c'est où? Les recherches? Bureaucratie? Non, on n'a pas. Fais d'abord le bureau de ton boss. Ah oui, parce que oui, je l'ai pas pris en fait, le warden. Tac. Et il lui faut une office. Bah c'est bon, il y en a une d'office là. Ça va venir. Tu vas l'avoir ton office. On va dire que celle-là était pour toi à la base. J'ai pas trop envie qu'il m'en veuille le mec. Voilà. Et bah voilà. Déjà il a son bureau. Ça c'est bien. Maintenant les recherches, c'est par où? Graphs, prison grading, bureaucracy. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Oh yes. Attends, tu sais quoi? Pour l'instant, on va accueillir des mecs. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de construire, mais c'est plus ou moins les Sims, quoi. On n'a pas de... intake. Fill capacity. Voilà. 13. C'est quoi les bleus? C'est des max, non? Attends, parce que... Ouais, mais là, ils vont arriver un peu nulle part. Hein. Les mecs, ils vont arriver dans la pampa. C'est quoi? Pourquoi ça clignote? Ça va exploser? Non, c'est parce qu'ils arrivent tout de suite? Ah, il y en a 3 en minimum security et 3 en normal security. Oh, c'est des snitch, quoi. Ils vont se faire buter, les mecs, hein. Faut que tu fasses... Ouais. Ils viennent ou pas? Bah, on les entend, mais les gars, ils arrivent pas, hein. Ça va? Ouais, coup, ça. Oh, il a une petite photo d'être humain.
Je vais mettre une photo d'être humain dans mon bureau. Non, il y a personne. Ah, ils arrivent dans 11h, d'accord. Eh ben, on a encore le temps. Donc ça, c'est bon. Ça, on a le bureau pour le Warden. Maintenant, j'aimerais bien avoir des milliers de gardes, par contre. Parce que la sécurité, sécurité. Comment on fait pour faire les trajets régime. Free time, non. Déjà. Free time, non plus. Sleep, sleep, sleep. On va enlever un peu de sleep parce qu'il faut pas non plus foutre de la gueule du monde. N'oublie pas qu'ils ont un salaire aussi, mais on a 20 000 balles, mec, c'est large de ouf. Free time, work, work free time, work lock up. Voilà, work lock up, par contre, on va en foutre partout. Genre là, vous pouvez commencer à travailler à 6h du mat. Ensuite, toute l'après-midi, et voilà. Et là, vous avez le droit à un petit coup de lock up. Voilà. Là, on est bien. Maintenant, le planning. C'est ça, c'est Pathways le planning ou pas? Je sais pas comment on fait le planning, les gars. Help me. Hilfe. J'ai besoin de hilfe. Utilities, peut-être? Non, pas du tout. Staff, le staff, j'ai pas de... Je sais pas. Non, c'est pas ça. Garde. Faut faire une tonne de recherche avant qu'il travaille. Ouais, bah, à mon avis... Ah merde, j'en ai acheté un autre. C'est pas grave. C'est pas grave. Shakedown, lockdown, bang up, reports. C'est pas dans les rapports, en tout cas. Dans les programmes, on s'en fout. Mais on a juste besoin de thunes, nous. Staff, garde. On a 4 gardes. Ça va, on a que 4 gardes. Bon, ils viennent quand? Ah, les voilà. Oh, ils viennent en bus, en plus. C'est facile, hein. Alors, qui on a? On a Ubey Sobkinanin. On peut déjà le punir si on a envie. Donc ça, c'est les minimum sécurité. Les BDF, pareil, lui, il est en minimum sécurité. Le jeu, ça m'énerve, donc vous allez aller en normal. Tiens, tu sais quoi? T'as acheté un pote, tu es en maximum, toi. Mais par contre, je peux pas changer leur nom, je crois. Caractère. Non, je peux pas changer leur nom. Expérience. Grading punishment 10. Ouais, ça me plaît. Multiple crimes, including robbery, treason, and undermining a state industry. Family, girlfriend, 18. Ok. Et toi, t'as fait quoi? Parce qu'il a, il a fait de la thune. Oh, ça c'est... Sa mère, elle a 70 ans, la montre. Ça, c'est bon. Ils vont le foutre dans le holding cell et ensuite directement en cell. Ça va, Kortnev? Georgie, ça va, Georgie? Oh, il est tout fin, le pauvre, avec sa coupe afro, là. Il ressemble un petit peu à Jamiroquai. Ok, ça se fait bien. T'as vu à l'entrée, t'as la même fleur que sur les tombes des rois Rohirrim. Ah oui, quand même. Les rois Rohirrim. Exact. Donc, ça fait quoi, ça? Ah, c'est en achetant, je crois, la sécurité que je peux enfin avoir les trajets, non? On va acheter ça. Hop là, ça va mettre 6 heures à bosser, c'est pas grave. 14 piges pour vol à l'étalage. Mais oui, mais c'est correct. Lui, il a fait quoi? 22 ans pour propagande anti-soviète. Yes, mon gars. Tout... Oh putain, mec, attends. C'est pas la bonne. Ah, là. Non, toujours pas. Vendre 2 ans pour propagande anti-soviet. Ça aurait été moi, t'aurais pris 30. Pourriture capitaliste. Mais n'y a à vous ton pire cauchemar. Sale fils de souke, bled. J'adore cette soundtrack, elle est vraiment trop bien. Personne dans la holding cell, franchement, ça mérite plus de gens à foutre en tôle, hein. Tu sais quoi, on manque de gens à foutre en tôle. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme autre office? Il me semble qu'il faut une office justement pour le chef. Ça va être 4 sur 4. Oh bah c'est impeccable, regarde. Oh ouais, c'est génial. Comment j'arrive à faire des trucs aussi? Tu sais quoi, ça c'est... J'ai eu un bac S. Par contre, pour rentrer dans son office, faut forcément rentrer dans l'office du mec de la sécurité, tu vois. Mais c'est normal. Et lui, je vais lui foutre une meurtrière, là, regarde.
Non, il prend des meurtrières partout. Ça fera un petit peu comme la liste de Schindler, tu sais. On va lui filer un car et il pourra tirer sur les gens dehors. Je vais baisser un peu le son, voilà. Attends, encore un peu. Voilà. Alors, c'est quoi, on va save. Save prison. Oula. Putain, j'ai fait tomber mon micro. Comment on l'appelait Artotska Supermax. Un peu. Vas-y, on l'appelle comme ça pour l'instant. Ok. Ok, donc prochaine étape. Engager un chef de la sécurité. Il est où? La chief. Ce qui va arriver normalement dans pas trop longtemps. Voilà, 3h44, ça va se faire assez vite. Il faut un isocube. Ah, oh, putain, ouais. Carrément, tu... mec, oh ouais. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je crois que c'était un dollar. Attends. Voilà. Attends, il faut quoi pour une solitaire? Ah, il y a même pas de requirement. Ah, oh, c'est parfait. C'est parfait, mec. Ça va me plaire, ça. Attends. C'est où, ça? Jail fence. Voilà. Voilà, on va mettre une large door. Solitary door, tiens, ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus classe. Et alors, on va le foutre dehors, lui. Est-ce qu'on peut foutre une porte sur la jail fence? Ouais, on peut, mais ça sera pas nécessaire, t'inquiète. Matériel. Voilà. Ça, on va faire des douves. Voilà, comme ça au moins, on est sûr. Hein? Voilà, on va faire un genre de mini Alcatraz. Voilà, on foutra des chiens aussi autour, vous inquiétez pas, ce sera très bien foutu. Voilà, impeccable. Impeccable. Évidemment, en solitary, voilà, t'as ça, mais t'auras juste... Même pas de lumière, tiens, non, on va te faire enculer. Ce sera un peu... Voilà, hé, franchement, elle est pas bien ma solitary, là? Tu sais quoi, on va même améliorer un peu le truc. Tu sais quoi, je préférerais dormir dans la solitary que dans le reste, hein. Comme ça, voilà. Quoi, qu'est-ce qu'ils font? No route, failed one time. What opportunity? Et si vous faites bande de cons, vous essayez de nager? Oh, c'est pas grave, laisse tomber. Décidément, ils sont vraiment tous cons, hein. Allez hop, qu'est-ce que vous foutez là? Non, c'est bon. C'est bon, ils sont pas trop cons, voilà. Donc solitary, ça va être là. Et évidemment, on va pas les laisser aller juste dehors quand ils vont aller en solitary, donc on va quand même foutre des perimeter walls. Non, tu sais quoi, des fences. On va leur foutre des fences, plutôt des jail fence. On va continuer la jail fence ici comme ça, l'autre jail fence ici comme ça, et la porte pour y aller, ce sera celle-là, tu vois. Déjà, ça fait peur, tu vois. Quand tu dois aller bosser, déjà, ça fait peur, tu vois. Voilà. T'as fait la part de Yana. Bah écoute, c'est parfait. Ça va lui apprendre un peu qui c'est le patron. Est-ce qu'il est bloqué, lui? Non, il est en train de construire, d'accord, ok. Ça va, les gars? Vous amusez? Et si vous foutez? mon gars, ça va chier, là. Vous voulez pas vous amuser un peu? Faire un peu de muscu, j'en sais rien. Voilà, c'est bien. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a réussi à faire le truc, là? Ok, security, ça a été approuvé. C'est bon, on a les fonds, les mecs. Donc il nous faut un desk encore, office desk. Tac, office chair, c'est où? C'est un tout petit truc ridicule. Il est tout pitiscule, voilà, comme ça. Une petite lampouse quand même, parce qu'on est pour des PD. Et un filing cabinet. Et ça, ce sera le coin du chief. Voilà. Il est cool. Il est trop cool. Tu vas faire une carrière de pierre. Ah oui, non, ça viendra après ça. Je peux pas le renommer, lui. Putain, j'aurais bien appelé Adwim. C'est quoi ce bruit? C'est bon, vous allez bouffer? Putain, vous avez fait vraiment n'importe quoi, hein. Eh, vous allez vivre dans votre merde, j'en ai rien à foutre, moi, hein. Hire 10 guards. Unlock patrol through bureaucracy. Ah oui, donc il faut l'acheter, les trucs des patrouilles.
Ah bah je vais prendre ça. Hein. Required office encore? Mais c'est bon, il en a une, il en a un d'office, non? Ah, il est en train d'être construit. Allez, il manque juste un truc là, voilà. T'aurais pu ramener tes propres fichiers déjà, il fait chier là. Ah, il lui manque une chaise, et allez, la chaise elle arrive, voilà, c'est bon, t'es content? Et donc maintenant, je vais pouvoir demander les patrouilles, ça va mettre 6 heures aussi. Chapelle, parole, réception. Dans quoi ils pourront bosser pour l'instant? Pour l'instant, ils peuvent pas bosser, hein. Workshop, morgue, laundry, j'aurais quand même bien kiffé. Qui ouais, genre vraiment taper sur du. Mais si j'en ai des mines! Oh mec, prison labor! Attends, c'est où? Prison labor? Prison labor. Ça va être dans le travail peut-être? Mec, on a une. Ah, c'est là! Donc c'est avec maintenance. Ok, on va prendre maintenance aussi et on va prendre prison labor après. Mec, on va faire la plus belle des mines! Ça va être trop bien, ça va déboîter mec. Les mecs ils sont en train de faire une petite temps. Ils font du bacon alors qu'il est ouais, il est quand même 7h du soir, hein. Ils sont couchés les mecs, hein. Ça va les gars, vous amusez? Ça va Ivakin? 10 ans pour... Parce qu'il c'est un peu un traître, d'accord. Et non, il a une belle famille, c'est con, hein. Et c'est qui? Brandislav Kalachnik. 19 ans pour espionnage. Ah oui, quand même. Le mec qui va dans ma prison de sécurité minimum pour espionnage, quand même. Je suis pas sûr que vraiment je marche. Ah, il y a deux pronichets. Il est passé où? Ouais, commence pas à essayer de te barrer, mec, parce que... Alarme. J'ai pas de... C'est quoi? Ah, c'est un tapis de prière, d'accord. Et encore, ils ont de la chance parce que je les laisse bouffer deux fois par jour, mais non, on peut leur foutre un tapis de prière non plus, faut pas déconner, hein. Et comment faut faire pour foutre le barbed wire, je crois? C'est sur la flotte uniquement? Le barbelé, c'est uniquement sur la flotte? Ah, c'est dommage. Mets une bombe dans la cellule, ça va le calmer. Oh, je pourrais, là, mec. Oh, mec. Attends, faut qu'ils fassent vite parce que sinon ils vont se barrer avant la fin. Ah là, c'est trop tard. Ça va juste faire péter des tables, t'es content, connard? Je me suis foiré sur le timing. Ça arrive, franchement ça arrive. Ils bossent lentement aussi les mecs, alors c'est bon, tout c'est de ma faute. Pourquoi t'as pas bloqué la porte? On peut? Ah oui, on peut. Pourquoi il y a une deuxième porte là? Je suis vraiment n'importe quoi avec mes portes, moi. Mais c'est vrai qu'il y a une deuxième porte là aussi. Ils se montent là, attends, parce que il y a des portes qui mènent trop de nulle part, tu sais. Ok. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est en train de se mettre des coups de fourchette, l'abruti là. Il ressemble à un des mecs de Game Grumps. C'est Vosko Boynikov. Putain, il me ressemble lui. 22 ans, ah oui, c'est lui pour la propagande anti-soviète. Et lui, il est en Supermax. Ah oui, c'est parce qu'il a pris 6 ans parce qu'il a volé des trucs. C'est Charles Manson. Complètement. Ah, merci Deadpool pour le resub, ça fait super plaisir. C'est bon, il n'y a pas beaucoup de lumière par contre ici là. Genre, j'ai l'impression que je vois que dalle. Objects, on va foutre une lumière ici parce que ouais, j'ai vraiment l'impression de rien voir. Et là aussi, là. Voilà. C'est bon, vous avez vos salles, on est bien. Et bah écoute, qu'est-ce qui nous manque là? Patrol, alors attends, où est-ce qu'on en est de notre bureaucratie? Encore 4 heures pour la maintenance. De toute façon, c'est dégueulasse, donc il va falloir de la maintenance à un moment ou à un autre parce que... C'est bon, personne s'est barré encore. Et bah écoute, shakedown. On va voir s'il y a des mecs déjà qui ont un petit peu de propagande, tiens.
De propagande, de contrebande. Parce qu'il faut, il faut pas les laisser trop, voilà. Si, si jamais ils s'imaginent qu'ils sont chez eux, c'est qu'on a loupé notre boulot, quoi. Donc, voilà. Par contre, qu'est-ce que tu fais, C'est bon, ça cherche, là, ça cherche. Est-ce que ça a trouvé des trucs? Stack. Ouais, mais rangez le bois, là. ce bois a l'air un petit peu suspicieux. Mais oui, mais range-le, ton bois, abruti. Donc déjà, on a trouvé des ciseaux. Bravo, les mecs. Bravo, les mecs. Donc, on a déjà débloqué les patrouilles, là. C'est bon. C'est quoi, danger? Ah, ils sont vénères. Attends, quoi? Ah, y a des mecs, ah oui, il y a des mecs à qui on a foutu les menottes. Bah oui, mais pourquoi ils ont des ciseaux? Je veux savoir, c'est qui? C'est Ivan qui? Non, qui, ça me dit qui c'est qui l'avait, les trucs là, non? Parce que mon gars, si je retrouve celui qui avait ça, je le déboîte, hein. Il est 2h du mat, c'est une bonne heure pour tout contrôler, bah ouais. Bah attends, t'as cru qu'ils étaient où? Alors attends, c'est où les patrols par contre? Planning, c'est pas, deployment. Ah, voilà, garde patrol. Alors moi, je veux une patrouille ici. Et je veux une patrouille ici. Et je veux une patrouille, genre vraiment, littéralement, tu me fais le tour de la propriété, quoi. Attends, pas par le lac. Merde, on peut pas, là. Comme ça. Genre, tu vas me faire un circuit, mais le circuit, je veux un marathon, tu vois ce que je veux dire? Voilà, regarde-moi ça, si c'est pas de la patrouille, ça. On a les meilleures patrouilles à la Mégaforge. Voilà, ça c'est de la patrouille. Bordel de cul. Voilà, ça c'est fait. Donc on a trouvé quoi? 56 sur 57, on a bientôt fini. Il faut juste fouiller ça, et c'est dans... Ah bah, Et bah voilà, Courtney, il est en solitaire. Et bah voilà. Mais quelque part, t'as cherché la merde, Courtney. On t'a dit, tiens-toi à carreau. L'autre, il va... Ah oui, il va chercher dans le bois, l'autre. Par contre, t'es sûr que t'as envie de nager? Il est fatigué? Oh, il est fatigué! Bah oui, bah t'es fatigué, t'as qu'à... dis non. Comment on fait pour pas qu'il soit fatigué? Y a pas genre une salle... staff room? White sofa, drink machine. Ah oui, il va falloir que je fasse des petits agrandissements, du coup, parce que la staff room, c'est pas vraiment... Attends, on va faire un agrandissement. On va faire un agrandissement ici, voilà, comme ça. Non, comme ça, parce qu'à chaque fois, je me gourre. Voilà, comme ça. Tiens-toi, Beccaro. C'est bon, tu l'as fouillé, le truc dans la flotte, là? Ah non, il patrouille, en fait. Cell object. Voilà, c'est bon. Le shakedown est fini, vous pouvez retourner dormir. Par contre, réveillez-vous tôt, parce que demain, il y a boulot. je serais comme ça, en vrai. je serais un de ces genres de gardes-là, ouais. Je serais le mec qui mouille pas l'éponge dans la ligne verte, tu sais. Je suis le mec, hein, le pauvre. Il est où? Il est pas là? Ah oui, non, je le vois pas parce qu'il y a pas d'ampoule, je crois. Attends, je vais quand même lui foutre une petite ampoule parce que sinon on va voir que dalle et ça va être chiant. Utilities electrical wire. On va foutre une petite. Merde, ça c'est la pompe, ça. Je suis con. Tac, ici, comme ça, voilà. Héhé. Et des gardes. Du coup, il va falloir qu'on achète encore des gardes. Il en faut 10, c'est ça? J'en ai 4. Allez, 6. Eh ben écoute, on va foutre bip. Bah, 3, 4, 5, 6. Voilà, 10 000 balles en rab. Et maintenant, il faut la salle de repos. La staff room security. Office for your officers. 4 sur 4. Ok, donc on va pouvoir faire la security room et la staff room. Et du coup, la security room, ça va être 4 sur 4. Tac, il faut quoi? Office desk, chair, filing cabinet. On va la fermer aussi. Je vais la fermer, ouais. Hop. Alors on va foutre une petite porte. Eh, franchement, ça se passe plutôt bien, non? Percy Wetmore, il s'appelle. Ah oui, quand même. C'est marrant qu'il s'appelle Wetmore alors qu'il a pas foutu justement la flotte sur le... Enfin voilà. Ouais, moi, ce que j'en dis, c'est que le mec, il a quand même bien trouvé son nom, quoi. Et voilà. Oh bah non, la ferme pas, on aime ta voix. Oh, ça, c'est gentil, ça. Ça, c'est gentil, quand même. Vous êtes rarement à me le dire, mais c'est vraiment très gentil. Et une staff room, du coup, ici.
avec concrete wall, object, hop, staff wall, et il faut quoi? White sofa, drink machine, et non, ça s'emmerde pas, hein. Il est où, ils sont où les white sofa? White sofa, tac, drink machine, hop, et tu sais quoi? Parce que c'est des mecs qui font quand même du bon boulot, on va leur foutre une télé, et j'ai vu tout à l'heure, voilà, une petite arcade. Voilà, là, ils sont bien. Donc j'arrive télé. Ouais, bah écoute, j'y peux rien si je récompense mes travailleurs. Travailleuses, on vous exploite. On vous crève à la tâche. Mais ils sont pas, il est pas à l'envers, le bureau, là. Ah merde, lui, il est à l'envers. Mais lui, il est pas à l'envers. Merde, lui aussi, il est à l'envers. Alors lui, il est pas à l'envers. C'est bon. Mais c'est pas grave, ils ont pas besoin qu'il soit à l'envers aussi, à l'endroit, je veux dire. Ça fait un peu capitaliste comme installation. Ouais, c'est, en fait, ils ont pas besoin de quitter, tu sais, le boulot. On a même une garderie, on a tout, hein, t'inquiète. Donc, maintenance, c'est bon. Maintenant, prison labor. Voilà, on va les faire tous bosser, mon gars, là. Oh yeah, ça va être bien. Ça va être bien. On va faire le plus beau goulag. Le plus beau goulag, on va faire. J'ai envie de dire, on va faire... Exécution. Oh, pour les exécutions. Oh, putain, faut qu'on fasse ça aussi. Oh, ça coûte cher. On va juste les fusiller, on va pas s'emmerder avec des trucs, non? Oh, une armurerie, il va nous falloir ça aussi, hein. Le sol est 10 fois plus crade. Oui, parce que je compte pas vraiment louer, comment on dit, engager de janitor pour l'instant. J'ai envie de dire, ça viendra en son temps. Donc le yard va mener sur la mine. On va foutre la mine là, je pense, hein. Ou alors, où est-ce qu'on fout la mine? Non, on la fout là, la mine. Comme ça, ah oui, comme ça, ils partent par là. Oh, c'est bon, ça. Là, c'est une bonne idée. Tu sais quoi? On va déjà commencer à bosser sur la mine dès maintenant. On va foutre des perimeter walls. Par contre, il va falloir que je rebosse, lui, son deployment, parce que ça va être bidon. Merde, deployment. Comment on fait pour enlever? Voilà, il va falloir que je vire ce deployment-là, parce que vu comment je vais foutre les murs de périmètre, ça va pas passer. Ouais, ça va être vénère, ouais. Ça va être bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a personne dessus, là. Qu'est-ce que c'est que ces pataquakes? Voilà, là, c'est bon, il y a quelqu'un. Là, on est bien. Et dehors, bah, il peut y en avoir un qui fait une petite patrouille dehors, mais est-ce que c'est nécessaire? Voilà, là, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y en aura un qui va faire des rondes ici aussi. Voilà, regarde, impeccable. Donc ça, c'est bon. Maintenant, c'est dégueulasse, mec, il y a de la merde partout. Maintenant, matériel, perimeter wall. On va foutre ça comme as. Comme ça, ça coûte un peu cher. Ouais, tu sais quoi? Tu sais quoi? J'aime de moins en moins l'idée. Ça coûte un peu cher, on va juste foutre des jail fence. Voilà, ça coûte quand même moins cher. Ah là, oui, c'est carrément moins cher. Hop, comme ça. Comme ça. Voilà, c'est super cool. Et je veux aussi une patrouille. Voilà, une patrouille autour de ça quand même. Parce qu'on n'est pas chez les Romano ici. On va pas les laisser s'amuser non plus à la mine. Tu fous le cimetière sur le chemin de la mine pour qu'ils comprennent. Ouais, donc le cimetière, ça va venir. De toute façon... Health, c'est ça, pour le cimetière? Eh ben écoute, on va déjà le bosser. Required foreman. Donc il va falloir que je chope un foreman. Et il lui faut un bureau, j'imagine, au foreman. Il va pas bosser dans mon cul, non? Room. Non, staff, foreman. Foreman. Il a besoin d'un bureau, quoi? Oui, il a besoin d'un bureau. Ok, donc il va falloir que je refasse un bureau en rab. C'est chiant, par contre, ça, les bureaux. Tu sais quoi, regarde, on va pas s'emmerder, on va faire un bureau de bureau. Hop, regarde. Eh, mec, si ça, c'est pas bien bossé, ça, regarde, tac. Le foreman, en plus, il a un bureau un petit peu plus grand que les autres mecs. Et attends, du coup, c'est quoi le bon sens? C'est comme ça? Ouais, c'est comme ça, le bon sens. Ouais, comme ça. Hop, il lui faut une chaise. Tac. Et un filing cabinet. Et le filing cabinet, il est ici. Voilà. À la limite, ils ont pas besoin de... Prends un janitor. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut foutre? De toute façon, ils vont crever. Si tu crois... bon, bah écoute, je vais prendre un janitor. Alors, je vais dépenser ça. Ok, je vais dépenser, c'est pas grave. Janitor, c'est où? Ah oui, non, oui, non, faut que je débloque cleaning, voilà. Foreman. Ah oui, c'est le foreman aussi. Bon, bah du coup, c'est bon. Il a son bureau, le foreman, là ou quoi? Non, ça va venir, ça va venir.
la gueule de la salle principale. Il y a de la chiasse partout. Ouais, on n'a pas encore de janitor. C'est pas grave, ça va venir. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais dehors, à cette heure-là? Vous? Dehors, à cette heure-ci? C'est bon, tu glandes, toi? C'est bien. C'est bien, il glande. Non, mais la grande, elle, là... Je sais pas comment ils ont fait pour mettre du vomi dans une section aussi large, en fait. Et puis là, dans la salle... C'est pareil ici, hein. Franchement, j'ai l'impression qu'ils font des batailles de bouffe tous les jours. Donc ça, c'est bon. Maintenant, room... Parole, exports, chapel... On en est où de ça? Forman, mais il a toujours pas son bureau, ce con Forman, là? Voilà, là, c'est bon. Et du coup... ah bah, ça va venir, d'accord. Donc c'est dans 6 heures qu'on aura les deux. Oui, alors le chemin pour l'arrivée, t'as raison, j'ai oublié de le faire. Donc ils arrivent à Delivery, c'est ça? Eh ben, on va faire un petit... Avec les petites fleurs, ça va être super joli. Materials, on va faire une prison jail fence. Tac, tac, pop, hop, regarde, comme ça, hop. Voilà, là, ça va être joli, là. Là, ça va être bien, là. Ils arrivent bien, là, on est d'accord, ils arrivent aux deliveries, hein. Je suis pas en train de faire le con, là, hein. Et attends, parce que j'ai vu un truc tout à l'heure qui me plaisait pas trop mal. Road barrier. Voilà. On va foutre ça là, comme ça on est tranquille au cas où. Oh putain, 10 000 balles! Ah ouais, quand même, il va peut-être falloir que je fasse un peu gaffe. Ah, il y a des visiteurs! Et qu'est-ce que ça peut me foutre? Je comprends pas. Mais cassez-vous, non? Cimetière, vas-y, je vais demander une grant pour construire le cimetière. Ça se fera dans 6 heures de toute façon. Cemetery, a grave digger. Oh la vache, ah oui, ça demande plein de trucs quand même. Bon, c'est pas grave, on va gérer quand même, on va gérer. Non, attends, est-ce que je peux pas demander une autre grant avant? Attends, grants, casse-toi s'il te plaît. Coffin workshop, pottery. Governmental, deux chiens et deux armes gardes. Ça peut être pas mal, ça, non? Regarde, ça me file 15 000 balles en plus. Donc du coup, ça, il va falloir que j'achète un chenil, mais ça, on verra plus tard. Ça, je prends juste ça pour le grand et on va se démerder après, vous inquiétez pas. Ça s'appelle du détournement de fond, ouais. C'est quoi, 2 sur 10? Ah oui, les autres, il y en a 3 qui glandent, d'accord, ok. Bientôt, t'auras les miradors et la chaise électrique. Mec, ça va être génial, ça va être super. Ça va, les gars? Qu'est-ce qu'il y a? L'environnement, il te plaît pas? Allez, lockdown pendant 12 heures, allez. Envoyez-le-moi en zonzon, lui. Il m'énerve lui. Lui, je sais pas pourquoi, lui il m'énerve. Regarde, gnigni, cette pune, gnigni. Allez, va en zonzon. Allez, va chier. Non, mais attends, non, pas en zonzon là, moi je veux. Foutez-le en solitary. Comment on fout en solitary? Solitary, voilà, solitary pendant 12 heures, s'il te plaît, voilà. Et tu te démerdes. La cuisine est dégueulasse. Ouais, il va peut-être falloir faire quelque chose. Pourquoi ça avance pas, ça? Je comprends pas, ok, c'est ce bordel. Ah, c'est un par un, c'est ça? Ah oui. Bon, bah, si le cleaning, ça arrive avant le reste, c'est peut-être pas plus mal, parce que c'est vrai que ça va demander beaucoup de boulot. Les douches vont demander beaucoup de boulot. Je sais pas comment ils font pour chier par terre dans les douches. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, écoute, la plupart des gens, ils font pipi. Alors nous, on va faire caca et on va essayer de bourrer notre caca dans le drain avec nos pieds. Ce qui est dégueulasse, hein. Il va dire le mec en isocube. J'ai l'impression, ouais. Ça va? Ils ont pas fait le raccord? Bah non, mais faut pas le faire comme ça. Attends. Eh, hey, mais quelle idée! C'est moi qui l'aurais complètement demandé, hein, tu sais. Ouais, non, enlève ça. Enlève. Contrôle left click. Ouais, mais c'est pas. Bon, écoute, tant pis, c'est pas grave. Tac, faut faire comme ça en fait. Voilà, là ça va être bien. Ouais, y'a de la flotte en fait, j'avais pas compris qu'il y avait de la flotte. Ça va, l'autre là? T'imagines, le mec il a pris 6 ans. Parce qu'il a volé dans un magasin, et en plus, là, le Warden, il le déteste, on sait pas pourquoi. De toute façon, il n'y a pas de lumière. Mais si, j'ai mis une petite ampoule, quand même. Et il a quand même le rouleau de câble, s'il a envie de se pendre. Donc, t'inquiète pas. Donc, Grant, ça, on s'en fout. On en est où de ça, là? Encore 1h50 pour ça. Ça va aller.
Impeccable. De toute façon, ils savent pas les... Ok, 47. Pourquoi ça avance pas, Prison Labor? C'est bien parce qu'il y en a deux en même temps, c'est ça? J'espère que c'est ça, parce que j'aimerais bien quand même les faire bosser, les gars. Allez, les gars, en zonzon. Voilà, cleaning approved. Allez, boss, maintenant. Voilà, c'est bon, ça arrive. Donc, du coup, cleaner, janitor, on va en prendre 2-3 quand même, hein. Y avait pas un grant, justement, pour la propreté? Health, maintenance, cleaning, groundskeeping, ça on s'en fout ça non? Medical ward, on peut-être faire ça là. Voilà, deux janitors il faut. Blip blap, c'est trois je pense parce que là ils ont pas mal de travail quand même faut admettre. Donc ça c'est bon, maintenant groundskeeping. Groundskeeping, c'est où ça? Ah ça. Ouais mais attends ça va coûter cher un peu non? Ouais j'ai 24 000 on est large. Hop voilà ça va venir plus tard. Pour l'instant prison labor parce que j'ai vraiment envie de les faire bosser là ça va être bien là. Imagine dans une prison t'as toutes les cellules, il y a une corde déjà prête pour te pendre. Appelle c'est du propre. Oh là 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 là. Oh c'est ça là. Oh là 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 c'est... Alors ça c'est pas du propre. Oh, regarde comment il bosse vite. Oh là 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 là. Franchement, il bosse quand même super bien, les gars. T'as vu, regarde. Tac, ça, c'est bon. Ensuite, on va nettoyer dehors. Ça va, toi? C'est pas le boulot qui t'étouffe, poteau. Hein. Comment il s'appelle? Garde. C'est joli. J'aimais les petits palmiers, moi. Il me faut rire, les petits palmiers. C'est bon, tu vas lui foutre l'électricité un jour, quand même, à lui, ou non? Attends, vas-y, open, parce que là, il est en galère, le mec. Non mais open. Oh putain mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces mecs. Ça aussi faut que je l'open. Bon bah écoute on va open hein. Mais sors pas parce que je te fais exécuter. Franchement sérieusement je le fais hein. Voilà close. S'il te plaît me dis pas que t'es piégé à l'intérieur. Qu'est-ce, pourquoi tu escalades? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es ouvert? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas ce que t'as fait. Il serait pas temps un petit contrôle? Tu veux pas la mettre? Non, non, je veux pas la mettre. Je la mettrai plus tard alors. Oh là 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 là! Il est fatigué lui! Oh bah alors! Bah mais va te reposer dans la staff room, non? Je sais pas. Parce que je le fais pas trop en permanence peut-être? Mais si ça peut foutre? Non? Je sais pas, on s'en fout. Non, je sais pas, on verra bien. On verra bien. Donc ça c'est fait. Prison labor, on en est où? 3 heures encore. Ça va se faire, ça va le faire. Du coup, quand Prison Labor sera bon, je ferai groundskeeping et on va demander à un jardinier, comme ça il pourra nous régler ce problème de fleurs de merde. J'aime pas ça, ouais. Ça m'énerve, ça me stresse. Les fleurs, je supporte pas ça. Un petit coup de Swiffer. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça, alcool? Vas-y, search cell, parce qu'il me plaît pas le Branislav là. Pop, pop, tu bouges pas, toi. Allez. Sécurité, moi je laisserai rien passer, ouais. Tolérance moins 2, on m'appelle. Il avait quelque chose ou pas? Il avait rien sur lui? Ouais, t'as beaucoup de chance, ouais. Ok. Ça s'active quand même, hein, mais regarde, c'est vraiment tranquille comme prison, hein. Il y a que des murs partout, il y a à peine du barbelé. Oh, Gravedigger. Oh! Y'a un mec qui avait un fer à repasser. Oui, il considère ça comme des drogues. Donc du coup, s'il y a la morgue, ça veut dire que j'ai enfin le cemetery. Nice. Gravestone. Voilà, impeccable, regarde. On va foutre le cimetière juste devant le yard. By walls and doors. Ah oui, quand même, il faut que ce soit entouré, quoi. Bah pourquoi faire, c'est joli quand même un cimetière comme ça. Bon c'est pas grave, tu sais quoi, on va foutre juste de la pierre comme ça là, tu vois. Tac, et ce sera suffisant je pense. Par contre il faudrait peut-être un genre de sortie, non, un petit portail. Oui il va falloir un portail de toute façon. Objects, file-moi un portail genre... un portail genre soupule, tu vois, qui donne la merde de soupule. Jail, tu sais quoi, on va foutre une staff dehors, ça va être suffisant, tac. C'est du sol, alors, si j'ai peu foutre.
C'est en close, non? Du moment du... Outdoor... Non, c'est bon. Non, c'est pas du... C'est du sol que j'ai mis? Ah, que j'ai mis, c'est du sol? Ah oui, merde. Ah, oh, le con. Oui. Oh là là. Bah, brick wall, alors. C'est ma faute. Pardon. Je m'ai gouré. Par contre, toi, ton patrol, il va me saouler. Deployment. Non, tiens, tu vas parcourir dans le cimetière, ça va être bien. La holding cell qui se ferme pas depuis tout à l'heure. Mais tiens, regarde. Ah oui, d'accord, ça fait chier, attends. Voilà, voilà, Poon, c'est mieux. On va, tu sais quoi, on va vendre ça parce que ça m'énerve aussi, ça. Ça. Voilà, et ça aussi, parce qu'à chaque fois, en plus, ça fout la merde dans... Tiens, regarde. Dumb, non, ça, on s'en fout. Ça fout la merde quand je fais des shakedowns. Ouais. Moi, j'aime bien faire des shakedowns, donc... Par contre, il faudrait quand même qu'on éclaire dehors le cimetière, mais pas le garde. Comme ça, ils auront tout le temps la mort devant eux. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, on va foutre une lumière là et une lumière là. Voilà, comme ça, ça va leur rappeler que finalement, on est là que pour une durée très limitée et qu'ils ont choisi de les passer en tôle. Les petites bûches! Oui, c'était des petites bûches qui mettent... C'est des restes de construction, en fait. La cellule qui est infectée. Où ça, la cellule qui est infectée? Oh la vache! Oula! Comment est-ce qu'il y a Poison Ivy dans le coin? Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Ils sont où les janitors? Ils sont en train de glander ou quoi? Workman. Toutou, open lock door. Ah oui, donc en fait, il faut attendre qu'il y ait un garde qui vienne ouvrir en fait. Tu sais quoi? Tu sais, il nous manque quoi? Tu sais qu'il nous manque des gardes en fait. Hop là, voilà. Et toi, tu vas rester là. Voilà, ça c'est bien. Deployment, tu sais quoi, il nous faut un petit garde-patrol ici, là. Voilà, comme ça, on est tranquillou. Garde-patrol ici, c'est pas vraiment nécessaire, mais on sait... Voilà, comme ça. Attends, peut-être... Non, peut-être pas tant, quand même. Attends. Je veux bien faire un peu de zèle, mais on va quand même se détendre la teubie, voilà. Ça, c'est bon. No access, tu m'étonnes. Ça, c'est bon. Et bah voilà, j'ai envie de dire, on est bien, non? Voilà, ils sont où les janitors? Le cimetière, il est bon ou quoi? Il manque une gravestone. C'est où gravestone? Grave, ah, empty grave. J'avais pas un truc, moi, justement, pour le... Non, ok, ça va suffire, c'est pas grave. Il faut une gravestone. Empty grave, gravestone. Oh, yes. Pour l'instant, on va mettre que 3 tombes. Voilà, regarde. Ça va être bien, ça. Je veux 12 gardes en permanence dans les douches, ainsi que des caméras, juste au cas où. D'ailleurs, j'ai mis personne dans les douches. Après, j'ai envie de dire, si les mecs, ils meurent dans les douches, est-ce que c'est vraiment un problème, quoi? C'est-à-dire que les gars, ils avaient qu'à faire un petit peu attention, ce qu'ils foutaient. Donc ça marche pas ici? C'est pas enclosed? Surrounded by walls. Ça compte pas comme un wall? Gravestone. Pourtant, c'est bon, non? Ça compte pas, ça, le fence? Oh, c'est bien con. Non? Est-ce qu'il y a des mecs qui meurent tout court? Est-ce que c'est ton problème? Voilà, donc, déjà, non. J'ai envie de dire, c'est un peu de leur faute. Ils avaient qu'à pas être en tôle, d'une. Et de deux, je les emmerde. Ouh là, le danger, il monte, là. Eh ben, écoute. Va falloir qu'on règle le problème. Déjà, on va prendre un grave digger. Et on va prendre... plus de gardes. Parce que je veux pas me laisser marcher sur les pieds par une bande de trous du cul, ça je vais te le dire. Ça c'est bon, ça c'est pas trop mal. Il y a des familles qui attendent pour les visites, mais c'est pas mon problème. Et le Grave Digger, il a besoin aussi d'un office. Et bah son office, on va le foutre juste là. Tu sais quoi? Attends, je me gratte. Hop là, ouais, on est bon. Foundation. Je vais lui foutre une petite office au Grave Digger, genre ici, tu sais quoi, regarde. Pop. Voilà. Il aura son propre petit truc avec une porte. Et il va être impeccable, là, mon gars. Une petite lumière. Hop. On va lui foutre des petits... un petit truc électrique qui mène juste à la lumière. Tac, room. Office, on a dit. Ici, comme ça. Ici, comme ça. Ça attendra demain. Voilà, allez, ça bosse. Ah, ça bûche dur quand même. Attends, les killers, il est 4h du mat, là. Ça vaut pour un petit shakedown, ça.
Oh, j'adore ce boulot, mec. Non, après, les mecs, il faut les garder, en fait, dans un état de fatigue un peu permanente, tu sais, où ils ont l'impression que c'est pas vraiment la réalité. Comme ça, ça les garde plus malléables, ils sont plus... Ouais, une armurerie. On va prendre une armurerie après, vous inquiétez pas, on va tout niquer. ça pourrait être un office, d'ailleurs, ici aussi, hein, mine de rien. Alors, on trouve quoi, là? Attention, parce que ça va... Mais regarde-moi ces cons! Oh putain, c'est pas possible. Ils étaient tous bloqués, mec. C'est pour ça que rien se nettoyait. Ils étaient tous bloqués, ces trous du cul. Open door, mais oui. Oh, les cons. Oh putain. Mais ça encore, c'est pas trop grave. Jail door, c'est pareil. Y'a personne pour leur ouvrir, là? Le coup qu'il arrive pas à passer. Ah oui, c'est parce que les gardes, ils sont en train de bosser, c'est normal. D'accord, ok. Y'a Jésus en isocube. Il a fait quoi? 41 ans pour dommage à la propriété de la commune. 41 ans il a pris, mec. Pour dommage à... Comment on appelle ça? Propriété publique, c'est ça? Mec. Oh la vache. 41 piges. Ce crime à la Saints Row. Le problème, c'est qu'il va falloir que je foute... Tu sais quoi, mec? On va pas s'emmerder. J'ai envie de dire, on va pas s'emmerder. On va bulldoze ça, et ça va faire une room. Ça va faire juste une grande room. Normalement, on devrait être bon. Ça devrait être correct. Non, toujours pas. Enclosed. Donc, il faut vraiment que ce soit fermé. Mais c'est dommage. Qu'est-ce que je pourrais foutre pour fermer? C'est bon, vous avez trouvé les trucs? Ah, sa gueule. Drogue, drogue. Ah, j'adorais les drogues, mais je peux plus. Le waterboarding aléatoire le matin. Voilà, là, on parle. Or melting. Oh yes. Yes, 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 yes. C'est bon, on a le travail en plus. Donc groundskeeping, on est bon. L'armerie maintenant, voilà. Donc il va falloir un groundskeeper. Donc ça aussi, le office, on n'oublie pas. Le office de pute. Office desk, comme d'habitude. Office chair. Do you believe in love after love? I can take the blame and leave me. Merde, c'est où l'office chair? Je me crame tout le temps. Je paume la office chair. Elle est là, en fait. Elle brille de mille bleus, mais chaque fois je me gourre. Hein. Et filing cabinet, voilà. Allez les workers là, qu'est-ce que vous foutez là? Putain. Demain, trailer de l'extension Iceborne. Ah, c'est pas mal ça. Ça va être bien par contre. Ça, je veux bien. Ça me plaît. Et hire a gardener, ça on verra plus tard. Donc apparemment le cimetière ça marche pas. Qu'est-ce qu'on aurait qui pourrait laisser quand même les mecs voir à travers? Eh bah tu sais quoi, regarde, on va foutre un break house. Et on va foutre des fenêtres. Donc le seul truc qu'ils auront à voir, c'est... la mort en fait. Regarde, on va faire tech, tech. On peut pas encore? Bon, on verra plus tard. C'est plus grand que mon bureau quand je t'ai fait en déchetterie. Ah bah ouais, bah écoute, il faut de la place aussi pour des mecs qui vont creuser les tombes. Normalement, voilà, c'est le Grave Digger's Office, donc ça, on est bon. Ça, donc c'est pas tout à fait bon encore. C'est l'object, ouais, ça m'énerve. C'est bon, le cimetière? Mais merde, mais qu'est-ce que c'est que ces potes à quake? Pourquoi ça marche pas? Je comprends pas, qu'est-ce que c'est ce bordel, là? Bah merde! Bon bah c'est pas grave, tu sais quoi? Ça va servir juste de décoration. De toute façon, quand ils crèvent, on les crame, hein, donc... tant pis. C'est dommage, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Où est-ce que tu ranges les cercueils et les pelles? Bah là, dans le filing cabinet. Comment on peut pas faire marcher un cimetière? Je sais pas, mec. Franchement, je sais pas. Et bah voilà, regarde. La mine. Ça va être ça? Impeccable. Et il faut Quarry structure and coal generator. Quarry structure. Ça, on a. Pop. Oh, merde, évidemment, je l'ai mis à côté, l'abruti, quoi. Voilà, ici. Et coal generator. C'est où, ça, coal generator? Merde, j'ai pris les screens. Coal generator.
Et c'est relié avec un truc électrique. Je sais pas s'il va pas falloir que je foute le propre réseau sur, sur le call generator. À mon avis, ça va demander pas mal de jus. On verra bien, on verra bien. Ok, allez, c'est parti. Là, mon gars, ça va devenir sérieux, là. Ça va nous faire un... Regarde le danger, mon gars. Les mecs, ils sont pas bien du tout, quoi. Ça va être génial. Pourquoi ils vont pas bouffer, par contre? C'est pas l'heure de bouffer, là, non? Je sais pas. Allez, par contre, j'aimerais bien que ça se fasse, là. Allez, travailleurs, allez, allez. Allez. Travailleurs. Travailleuses. Camarades. Sommes-nous revenus au temps des pharaons? Attrimés? Sous les coups de fouet? Et pour qui? Pour César. Non. Qu'il aille se le faire construire à Rome, son palais. Allez, vas-y, go. Construis-moi ça, poteau, et on voit ce qu'on fait avec le cimetière, là. Donc ça, c'est bon. La mine, elle est bonne ou quoi? Le code générateur, il en est où? Non, il est en train d'être raccordé au système, d'accord? Attends, on va remettre ça, parce que voilà. Ça va nous mettre un peu de baume au cœur. Alors du coup, ce que j'aimerais voir, c'est dans le schedule. Dans le régime. Yard, déjà, non? Work lockup. Voilà. Voilà. Ça devrait être bon, non? Ah non, il faudrait qu'il y ait un petit peu de yard quand même. Voilà, non, on va leur laisser ça en yard quand même, faut pas déconner. On va leur laisser, ouais, 2 heures de yard juste après bouffer, c'est pas trop mal. Pardon? Qu'est-ce que vous foutez là? Mon gars, ça va chier. Attends, j'en suis où des armes à feu là? parce que là, mon gars, ça va vraiment pas le faire là. Quoi, famille? Ouais, mais famille, putain, faut faire les salles de visite, mais je crois pas, mec, hein. Émeute, ouais, faut, on dit émeute pour dire émeute, hein, parce que vu la gueule des mecs, t'inquiète pas que je vais te foutre ça aux onzons. Baston, t'inquiète, mais mec, je vais foutre tellement, mais tellement de mecs armés. En fait, cette prison va être un mirador. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vais foutre des miradors partout, même à l'intérieur, hein. Je vais mettre des miradors en intérieur. Et tout va bien se passer. Oh là là, ça chie 2 minutes, mais t'inquiète pas. 9 prisonniers ont été cherchés sans nécessité. Bah, comment c'est moi qui dis déjà qui c'est la nécessité. Bon, normalement, est-ce qu'ils vont venir bosser d'eux-mêmes? J'espère que... Bah, il a pas de chaise? Ah non, faut une chaise! Ah merde! En fait, depuis le début, il a pas de chaise, lui! Parce qu'il faut une chaise. Voilà. Merde, le con. Par contre, le janitor, va falloir commencer à bosser ici parce que c'est dégueulasse comme tout. Hein. Ils sont pas bloqués quelque part quand même. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc là, ils ont le droit à yard 2 heures normalement. Ça va faire un peu de muscu. Quoi, vous voulez appeler vos proches? Eh ben, on va vous foutre une petite... Oh, les PD. Un petit phone booth, regarde. Voilà, on va foutre ça juste devant le cimetière. Voilà, vous allez arrêter de faire chier, là. Les gardes sont blessés de ouf. Mais non. Non, c'est bon. Lui, un peu, peut-être. Lui, beaucoup. Lui, ouais. Ouais, bon, peut-être. Ouais, peut-être qu'il va falloir commencer à faire la médecine et tout. Doctor, infirmary, ouais. Ouais, ouais, d'accord. Non, si, ouais. Ah, c'est bon, le cimetière, il marche. Pekob. Bon, du coup, il va falloir une infirmerie et une salle des gardes. Donc, ça, on va le foutre. Genre, on va faire une extension ici, en fait. On va faire une extension là, regarde. Building concrete. Comment je vais faire ça là? J'ai envie de faire ça plus proche en fait, tu vois. Limite, j'ai envie de faire ça là, tu vois. On va faire ça comme ça. Oh putain, 3000 balles, ouais, non, peut-être pas. 2400 balles, oh la vache. C'est cher de ouf. Attends, mais attends, il me manque encore un jardinier là. Jardinier. Gardener, voilà. Bop. C'est bon, Grant, fini. Il y a même pas besoin d'office en plus, on s'en fout. Et on va peut-être commencer à faire les chiens et tout, non? On les a pas encore, non? Taser, guard... Oh, les petits chiens! Vas-y, on prend les petits chiens. On prend les petits chiens, ça va être bien. Voilà, impeccable. Bon, ils sont un peu tous claqués, c'est vrai qu'il va commencer à me falloir des trucs. Pipu! Tu sais quoi? Je sais pas pourquoi on s'emmerde. Comment on fait
justement des fondations, mais sans faire de mur. Parce que... tu vois, j'aimerais bien construire là, mais ça va pas faire de floor, en fait, si. C'est un peu bidon, du coup. T'as mis les fenêtres au cimetière. Pas encore, ça va venir après. Ah. Ok. Super. Casse-toi. Casse-toi. Putain. Va falloir, du coup, fondation, building concrete. Blocked. Si je fais ça genre comme ça, tu crois que ça va m'être reproché ou pas? Ça devrait être bon normalement. Rooms, non, object, ça va être staff door. Et ça va être... infirmary, voilà. C'est en train d'être fait, ça va être fait, ça va être fait. Ils sont tous en train de péter des plombs. Tu veux faire un petit shakedown vu qu'ils sont un peu vénères? Attends, pas tout de suite. Avant, on va finir l'infirmerie quand même. Au cas où le shakedown il se passe mal. Je suis pas sûr que ce soit la chose à faire. S'ils sont en froid. Oh, y a une mort. C'est qui? Quel con. Il avait quoi? 10 ans pour traîtrise. Eh bah écoute, qu'il allait s'en faire enculer. On a un cimetière tout propre en plus. Comment on fait pour le virer au cimetière direct? Tiens, punis-le. Fous-le en solitaire pendant 6 heures. Impeccable. Oh merde. Et voilà, tu vois, ça a tout pété en fait. C'est ça que je comprends pas comment ça marche. Comme as. C'était comme ça, non? Je crois. Oh là là, c'est l'émeute encore. Quand est-ce que j'ai les mecs armés là? Armory. Ah, c'est bon. Body armor, ok, donc on a l'armurerie déjà. On verra ça plus tard. Il est mort de quoi, tu peux voir? Non. Comment il est mort? Caractère. Il est mort de blessure, non? Parce qu'en fait, on l'a pas soigné, donc ouais. Va falloir se grouiller d'ailleurs à faire l'infirmerie, parce que là, ils vont commencer à tous saigner, ça va être vraiment... Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'il emmène le mec mort. Qu'est-ce que tu le fais sortir? Mais dis pas... Où est-ce que tu le mets? Où est-ce que tu vas le mettre? Attends, rooms déjà, on va foutre là. Infirmary, c'est où? Infirmary, voilà, ici. Où est-ce que tu l'emmènes? Tu vas... Ah non, tu l'emmènes directement là! Bon, c'est pas vraiment nécessaire, non? Bon, c'est pas grave. C'est un corbillard. Object. Medical bed. La vache, t'as un truc à deux places. On n'est pas obligé, si. Et du coup, il faut une infirmière, non? Voilà, docteur. Et medical bed, voilà, c'est bon. Ah, le mec, il est déjà en train de soigner tout le monde, mon gars. Peut-être en foutre un deuxième, parce que je pense qu'ici, il va y avoir du boulot, hein, honnêtement. Mec, il faut ça que ça se ringue. Oh putain, tout le monde va claquer. Tout le monde va claquer, vite. Voilà. Passed out, je crois. Ouais, il est évanoui. Peut-être falloir se grouiller un peu pour lui, ouais. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Maintenant, l'armurerie. Rooms, armory. Indoor, weapon rack, guard locker, table, ok. Voilà. Weapon rack. 1000 balles? Eh bah écoute, c'est... on va foutre deux pour être sûr. Non, c'est bon. Guard locker. Voilà, on va foutre ça comme ça. Et table. Voilà, impeccable. Ça, c'est une table, ça? Mais c'est énorme! De Camargue. Et ben, on va la foutre là. Voilà, tant pis. J'espère qu'il va pouvoir sortir quand même. Normalement, ça les gêne pas. Ça gêne pas leur déplacement en fait. Ah, on le voit qui est en train de rechercher les chiens! Searching dogs! I've been waiting for a girl like you to make me feel me. Y'a un casier pour tous les gardes. Ouais, mais regarde, y'a quand même deux fusils de chasse, un sniper, deux tasers et pas mal de trucs, hein. Et du coup, on peut commander d'autres mecs ou quoi avec maintenant qu'on a ça? Arm guard! Oh, ça va être génial. Tu sais quoi? Staff. Je vais virer. En plus, ils sont... Attends, je vais virer ceux qui sont fatigués.
Non, non. En fait, c'est ceux qui patrouillent qui sont fatigués, mais il n'y a pas de roulement, donc... forcément, tu sais quoi, regarde, je vais virer ça, et je vais remplacer les 5 par des armes gardes. Et là, mon gars... Ah, il peut en avoir qu'un ? Oh merde, il peut en avoir qu'un ! C'est par weapon rack, peut-être ? Mec, il est beaucoup trop stylé. Je veux... Dans les deployments... Arm guard patrol. Tu vas me faire une patrouille, mon gars. Oh, oh, Zwagnon, d'accord ? Tu vas me faire une patrouille qui vient... Attends, on est où, là ? Ah non, cantine, c'est ici. Dans la cantine, qui vient par ici. Ensuite, ça vient par là. Et ça fait un tour, comme ça. Et tu vas me mettre un garde, quand même, ou... Non, tu veux pas me mettre un garde ? Ah, voilà, ok. Et là, mon gars, si jamais il y a de la révolte... Bravo le licenciement de masse. Bah oui, mais du coup, je vais en racheter parce que... voilà. Exit daily budget. Bon, bah, on s'en fout. Et bah voilà. Ça, c'est... Regarde, le danger, il baisse, là. Hein. Maintenant qu'ils sont tous en train de se chier dessus. Est-ce qu'on a fini les chiens ? Les pips. Non, encore 55 minutes. Et je pourrais avoir... dog handlers. Attends, parce que les dog handlers, c'est dans quoi ? You require dog. I require a dog. On va mettre les trucs des chiens dans le yard, ça va être tranquille. Ils sont pas virés, ils sont partis en formation. En déformation. Ah, le danger, il baisse maintenant qu'on a mis un mec avec un gun. Comme de par hasard. Rajoute des casiers personnels. Ok, je vais voir. Objects. Guard locker, c'était, je crois. Weapon rack. Guard locker. Non, non, toujours pas. Max hired. Ah, c'est parce qu'il est pas encore là. Attends, oui, mais non, je suis con. Allez. Allez, filez-moi ça, je veux de l'armée, là. Je veux du mec armé, là. Yes, c'est ça, putain, c'est ça. Yes. Non, daily budget. Il va falloir plus de budget, budget journalier. T'inquiète, quand ils vont commencer... Mais j'ai l'impression qu'ils bossent pas depuis le début, si. Or mine. Comment on fait pour les faire bosser Metal digging. Mais bien sûr, metal digging. Jobs. Comment on fait Prisoners. Je sais pas comment on fait. Il faut pas, genre, avoir un bureau, justement, pour les boulots, non ? Il faut un bureau, genre, pour les boulots, pour ensuite pouvoir les affecter, il me semble. Storage. Bon, de toute façon, il est minuit 16. Je pense que, pour l'instant, on va arrêter là. Je pense que notre petite Artsotska Supermax avance super bien. Ça mérite que... T'as les pipous ? Ah, j'ai les pipous. Putain, mais j'ai les pipous. Dog handler. Putain, mais oui, mais j'ai plus de budget, en fait. Donc on verra ça. Attends. Hey, j'ai plus de budget, les mecs. J'ai plus de budget, donc on verra plus tard, d'accord ? Pour l'instant, Free Fire. Tu tires pas ? Ah oui, donc maintenant, en fait, il a même plus besoin de se demander s'il y a des mecs ou pas, en fait. Il va juste tirer. Le moindre truc, je pense qu'il va tirer, en fait. Attends. Il est où, l'autre ? Il patrouille où, l'autre ? L'autre, il faudrait qu'il patrouille dehors, en fait. Attends, regarde. Deployment, on va prendre Arm Patrol. On va foutre un là. Voilà. Mec, ils patrouillent n'importe où, eux, quoi. Voilà, donc maintenant, ils ont le droit... shakedown, vas-y, un petit shakedown pour voir s'ils se révoltent ou pas. Parce qu'il est quelle heure, là ? Il est bientôt 5h du mat, quand même. On va peut-être pas déconner. Allez, mon gars, la bonne AK-47 en plus, quoi. Shakedown tout le temps.
Voilà, regarde. Par contre, il faut pas qu'il y en ait un qui fasse du paix parce que lui, j'ai l'impression qu'il a vraiment pas de sens de l'humour, quoi. Rien comme il est vénère, genre... C'est pour Léon, ça. Voilà, et à la moindre révolte, on les chlasse. Fait genre un protocolaire, tu vois. Puis je passe à sa portée et tac, c'est 62 dans l'oignon jusqu'à ce qu'il soit vide. Bon, oubliez pas, juste après ce stream là que je vais couper dans pas longtemps, va y avoir deux films. Ou alors si tout le monde se barre et que vous voulez mater plus tard, il y aura qu'un seul film. Mais je vais passer Overlord et je vais passer Iron Sky le premier. Donc venez, pour l'instant je vais save, je vous dis surtout que ouais, on va continuer plus tard. Je pensais faire un one-off en fait dessus, il est... Je pensais faire un one-off mais finalement non. Ça va, je pense que je vais en faire beaucoup plus parce que c'est super marrant en fait. Et je vais essayer de voir si on peut télécharger d'autres modes. Prisoner Intake, il y en a un qui arrive. Est-ce qu'ils vont en faire venir juste un? Bon, on verra bien. Je vous fais de gros bisous les gars, je vous dis à tout de suite sur le... non pas ça, oulalalala. Sur le drive-in pour le film, et puis voilà. Et pour ceux à qui ça a plu, et bah, à la prochaine. Gros bisous, et à la prochaine. Allez, ciao les gars.